Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic, live numéro 41. J'espère que vous allez bien. Moi déjà, il y a déjà un peu de monde. Roger Chine qui était là dès la levée de drapeau. Salut Roger, salut Rosaline, salut Jiva. Bon bah écoutez, merci d'être présent au début de ce live. Un live tranquillou puisqu'on va revenir... salut Julien Roche. Puisqu'on va revenir un petit peu sur de la Coupe de France de robotique. Là, ça faisait deux fois que je streamais sur du sur ma découpeuse laser. On va en reparler dans le récap. Mais là, ce soir, le sujet, ça va être le mât de détection. On continue un petit peu, vous avez vu, j'ai ressorti un petit peu le matos à côté. Écoutez, sans plus attendre, on va se lancer le récap. Et on va se mettre un petit peu de musique. Allez, c'est parti. Alors, petit récap. Alors déjà, oui, effectivement, lors du dernier live, les colonnes de Buren. Et oui, le retour du colonne de Buren. C'est pas du tout ici, mon live. Pas du tout. Pas du tout, Alex. Salut Alex, comment vas-tu? C'est pas comme si on avait passé la journée ensemble. effectivement, la dernière fois, on avait un petit peu parlé, un petit peu genre 5 heures, du système pour faire le pointage laser sur ma découpeuse. Et puis, on n'avait pas réussi à le finir complètement pendant le live. Maintenant, c'est terminé, ça fonctionne bien. Je l'ai testé vite fait avec la lime 5 volts de la machine, mais du coup, ça, je vais le changer par la suite. Donc là, vous voyez, il y a bien le croisement, j'attends le laser linéaire qui va arriver et on voit bien le point là au croisement des deux lasers, donc ça fonctionne plutôt pas trop mal. Et j'ai essayé aussi, vous voyez ici la canalisation pour le tube d'envoi de l'air. Salut Kamikaze. Là pour le coup, ça a marché moyennement bien. En fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait quand même un espèce de compresseur relativement important, enfin en tout cas un afflux d'air assez important. Si je passe vite fait côté atelier, je pensais faire ça avec cette grosse pompe, mais ça marche bien, mais ça fait un bruit de malade, donc du coup, pas une bonne idée. Je me suis dit que j'allais le faire avec deux mini-pompes. Voilà, j'ai essayé avec deux mini-pompes, clairement ça n'a pas assez de pêche, donc du coup je me suis résolu, j'ai acheté, j'ai commandé une pompe d'aquarium, un truc assez gros, beaucoup plus gros que ces machins-là, et en attendant que ça arrive, puisque forcément ça arrive de loin, une pompe d'étang, oui une pompe d'étang, ouais, une grosse pompe d'étang, pas les pompes d'aquarium, et en attendant que ça arrive, pour que je commence à quand même l'utiliser régulièrement, cette laser, j'ai commandé des petits ventilateurs radio, parce que ceux-là ce sont des 24 volts, donc j'en ai des 5 volts qui arrivent, et j'aime pas trop, mais je vais faire un montage temporaire avec ça, pour que ça puisse fonctionner quand même. Et salut Yon qui commence directement comme ça, une pompe d'étang, bon sang. Est-ce que j'ai bien dormi? Écoute, j'ai pas dormi, donc ça va être dur. Une semaine un peu compliquée, mais bon, ça va le faire. Salut King of Shouf. Alors Yonir, Yonir, à chaque fois, je sais pas si je fais, bon, je sais pas quand, je suis pas sûr de la prononciation à chaque fois. Yonir qui, si je retourne sur, est-ce que je vais réussir à récupérer, attendez, je vais avoir un message. Est-ce que je peux montrer ton proto que tu as fait de pneus? Bon, de toute façon, tu l'as. Alors, attends. Voilà. Je crois que tu l'as publié. Ah bah oui, tu l'as publié. Voilà, c'est ça que je cherchais. Hop, alors on va revenir sur le récap. Voilà. Donc du coup, qui a essayé... vous vous souvenez que j'avais fait un live et une petite vidéo sur le moulage des pneus. Et donc du coup, Yannir réceptionner sa Prusa Mini, qui en est super content d'ailleurs, a priori, a commencé des petites impressions, notamment les tests de pneus. Alors là, c'est la même technique que la mienne, et tu veux essayer l'autre technique à base de... j'ai oublié le nom, mais bon bref, une autre technique, tu vas me la rappeler dans le chat, et ça sera bien. Je vais avoir des trous de mémoire ce soir, je vous préviens, je suis pas hyper hyper en forme. La proto-petit...
Ok, des caractéristiques principales des sommeils récents et en effet leur durée limitée. Ou très juste, très juste. Une longue phrase pour dire qu'on n'a pas beaucoup dormi. Silicone plus fécule de maïs, c'est ça, fécule de maïs. Et du coup, bah, il faudra faire un petit retour pour savoir si c'est plus simple, moins simple, est-ce que ça donne les mêmes caractéristiques que le système avec du liquide vaisselle qu'on a testé. Mais bref, voilà, du coup, ça, c'est un autre proto, ça peut être super cool. Bon, du coup, je reviens un peu sur... Hop. Twitter. Voilà, du coup, que dire d'autre sur ça? Non, bah écoutez, ça a avancé un petit peu. Mais ça, je vais en parler tout à l'heure dans le récap. J'ai reçu les tout petits collecteurs rotatifs, ce qui fait que ce soir, on va pouvoir commencer à regarder comment on les intègre au design. Alors attendez, forcément, j'ai fait un nœud. Voilà, tout petits, ils sont vraiment. Tout petit quoi. Donc ça c'est plutôt chouette. On va voir ce que ça donne on va voir si c'est aussi efficace que les autres et si ça s'use pas trop vite. Mais en tout cas en intégration ça va être, je pense, intéressant. Salut Alf. Écoutez, plus petit qu'un poussin de faucon. Exactement, exactement. Écoutez, rien d'autre dans le récap. Voilà, c'était une semaine assez chargée, donc il n'y a pas eu grand-chose de plus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder les copains qui stream, qui sont juste en dessous. Donc là, il y avait King, il y a Alex, il y a Alf, il y a Kamikaze, voilà. Donc il y a aussi sur YouTube, regardez Romain de CVRA, Aeroxander, enfin bref, regardez tous ces gens-là, suivez-les si c'est pas déjà fait. Et puis bah on va commencer le live, on va rentrer dans le dur, comme on dit. Et hop, j'ouvre Fusion et c'est parti. Voilà, alors, les idées sur ce mat détection. Alors déjà, pour vous rappeler un petit peu, ah si, j'ai acheté aussi une pompe en 12 volts, une pompe à eau, à intégrer dans la laser. Comme ça sera aussi intéressant. Je vais mettre tout ça là-bas. Voilà. C'est nous les copains, mais c'est aussi vous tous. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est tous des copains. Alors. Ouais, non, tu n'en plus, je n'ai pas besoin de toi. Alors, l'idée, voilà, donc c'est de faire une V, V mili 1 million de fois. Parce que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir fait plein de versions de ce truc-là. De cette balise. De ce mode détection. Pardon. Les retours principaux, c'est que ça fonctionne, mais le système d'engrenage fait un bruit de malade, et donc j'aimerais bien réduire ce bruit, parce que quand on est à côté du robot pendant très longtemps, c'est vraiment très relou. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que à cause de ce système-là, je peux difficilement réduire. Alors, à cause de ce système-là, plus du collecteur rotatif, je peux difficilement réduire la taille de la balise. Et là, je suis vraiment du mât. Et là, je suis vraiment, vraiment serré, quoi, dans les 10-10. Et ça m'embête parce qu'il n'y a pas grand-chose et on peut quand même vachement le simplifier. Donc, mon idée, c'est de remplacer ce collecteur par ce collecteur. Ça, c'est abusé. Regardez ça. Regardez ça. Il y a plus de fil là-dedans. Voilà. Ah, c'est pas la même. Hein. C'est pas la même. Barbagourou. Du coup, remplacer ces deux trucs-là et passer sur une courroie lisse. Bon, c'est un joint torique. Hein, pour la. Comment dire? Pour entraîner en rotation. Voilà l'idée. Donc j'avais déjà commencé un petit truc il y a quelques semaines. Je m'étais arrêté parce que j'attendais cette pièce-là. Donc, si vous regardez, en fait, maintenant il y a deux pièces différentes. C'est que j'ai séparé cette pièce-là, l'engrenement, ah, et je l'ai mis sur une pièce séparée. Voilà, qui est ici, qui est à peu près le même diamètre d'ailleurs. Toujours avec le roulement intérieur. Bon, c'est très mal imprimé, mais ça, c'est de ma faute. Et l'idée, c'est voilà, de venir se mettre comme ça à l'intérieur. Donc, première chose qu'on va faire, c'est créer la poulie pour le moteur. Salut Wartig, salut Tic Tac Mandous.
Donc voilà, donc il y a déjà ce truc-là à faire, et puis potentiellement l'imprimer, parce que ça va pas prendre trop de temps. Comme ça, on va regarder ce que ça donne. Et en même temps, continuer en fait le design du reste. Et puis regarder un petit peu comment on va intégrer ce petit machin. Petit machin tout riquiqui. Tout riquiqui. Allez. Et on revient sur le bureau. Blam. C'est parti. Alors, quick, il me faudrait un moteur. Ça serait pas mal. D'accord. Comment ça se fait que j'ai pas mon moteur, moi? Ça commence bien, soleil. Ah, voilà. Un moteur, un micro-carte. Voilà. Alors on va ouvrir aussi l'ancien mat de balise, enfin celui-là, la version que je vous ai montrée. Comme ça on aura les deux sous les yeux. Voilà. Et alors cette pièce-là, normalement je l'ai faite à part. On va l'ouvrir aussi à part. Comme ça on aura les dimensions. Voilà. Donc l'idée c'est quand même de reprendre en un certain sens un élément similaire, mais avec une gorge de ce type-là. Bon, bah, écoutez, on va pas tergiverser plus loin. On va se lancer, on va créer une nouvelle pièce et c'est parti. Alors, juste voir un peu comment je l'avais créée celle-là. Est-ce que je peux pas la réutiliser tant qu'à faire? Tant qu'à faire. Ah oui, non, j'avais d'abord créé forcément. Ouais, bon. Alors, on va pas faire comme ça parce que du coup. Ça marchera pas. On va. Par quoi je vais commencer? Ça, c'est la pouline. Je réfléchis. Est-ce que je commence par la base? Bon. Écoutez, on va faire ça de manière très simple. On va faire un truc en révolution. Et ce sera très bien. Alors, hop. Une petite ligne verticale. Voilà. On va tracer la forme. Quick. Et on regardera après à la cotation. Alors. Voilà. Donc ces deux trucs-là sont égaux. Ils sont également alignés. C'était pas ça que je voulais faire. Ouh. Je commence à me planter avec ça là-dessus dès le début. On va bien se marrer. Hop, on va l'aligner avec le centre. Comme ça, au moins, ça paraît logique. Nickel. Donc là, a priori, ouais, j'ai quelque chose qui est pas mal. On va reprendre le pignon moteur. Alors, combien il faisait de diamètre extérieur? Oh, il faisait un diamètre à la con. 14. Bon, bah, prenons 14 alors. Attendez. Tant qu'à faire. Tant faire le perçage aussi à l'intérieur. Ça mangera pas de pain, ça nous fera des opérations en moins. Et ça, c'est quand même pas mal. Alors, on reprend. Ici, hop, voilà, ce diamètre-là, il fonctionnait bien. Ah, dommage. Nickel. Alors, on avait dit combien? 14. Allez, c'est parti, boum. Et alors sur la hauteur totale, je vais reprendre. Alors le truc c'est que. Ah si, c'est assez simple. C'est est-ce qu'entre là et là, je suis à zéro. Pas totalement. Donc ça m'arrange. Donc on va prendre de là à là. On a 9,78. 79. Et ben, allons-y. Là, ça devrait merdouiller un peu, yes, forcément. Voilà, et on va reprendre exactement les mêmes réglages qu'ici pour pouvoir faire notre poulie. Donc l'épaisseur à 7. Voilà. Alors le reste, je vais peut-être être obligé d'ouvrir l'esquisse, peut-être pas.
Ah si, je vais être obligé d'ouvrir l'esquisse. Alors, comment j'ai fait ça, moi? Oh, nickel. Ah oui. J'ai fait ça. Manière assez chiante, en fait. Oula, c'est bizarre, cette histoire. Non, c'est pas bizarre. Ok. Bah on va faire la même chose. Tant qu'à faire. Alors, il va me falloir un cercle de construction. Voilà, qu'on va rendre tangent des deux côtés. Nickel. Ensuite, de là à là, on va garder la valeur qui va bien. Ah, et par contre, ce serait bien que tu sois tangent des deux côtés. Voilà, parfait. Il y avait. Salut Historica! Il y avait encore un autre truc que j'ai pas pensé, c'est le diamètre. Bah oui, bien sûr. Bien sûr! Alors là, pourquoi ça bouge? Maintenant, c'est juste le diamètre de ça. Ok, super! Eh bien, écoutez, ça c'est pas mal déjà. Alors, le diamètre, ce qu'on va faire, c'est que moi je veux au moins une réduction. Je crois qu'on était sur du 2, on était sur 22 de l'autre côté. Et si je prends ici, c'était 44. Donc, effectivement, je vais prendre. Finir ça. Ce diamètre-là, hop. Mettre de là à là. Et je vais le diviser par 2. Et rediviser par 2. 24, c'est beaucoup. Par 4, ça sera suffisant. Nickel. Reste plus qu'à faire une chat révolution. On y arrive, on y arrive, on y arrive. Quick, quick. Voilà. Donc ça, c'est notre poulie qu'on va pouvoir monter là-dessus. Là où je vois un souci, c'est que je ne sais pas comment la fixer. Néanmoins, parce que là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis. J'ai mis ça avec une vis. Là, je ne vais pas avoir beaucoup de place pour pouvoir le faire. Je m'étais laissé combien? Je m'étais laissé 5. Donc ça veut peut-être dire juste que mon moteur, il sera pas à cette hauteur-là, il sera un peu descendu. Parce que là, le pignon, il était à combien? Avant, il était à 10, et là je suis peut-être déjà à 10, a priori. Ouais. Ok, alors. Oui, non, pourquoi pas? Ok. Ah, il m'a retourné mon esquisse, toi. Déjà, on va se remettre sur 10. L'ouvrir sur le côté, éventuellement. Question, c'est de là à là, j'ai combien? C'est chiant ça. Est-ce que je peux créer un plan de construction sur une ligne? Non, ça je peux pas faire. Bon, je vais rouvrir. Ok, de là à là. Oh, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Et si j'enlève cette côte-là et que je lui dis, boum, mets-toi à 5, est-ce que c'est gênant? C'est pas si gênant que ça. Faut que j'enlève 2. Et là, c'est pas mal. Tu peux activer les deltas XY dans l'inspect. Ah oui, c'est vrai, j'oublie toujours ce truc-là. Tu as tout à fait raison, Julien. Comment on avait fait ce truc-là? J'ai essayé de reproduire à peu près la même chose. Ah oui, tiens. Ah oui, j'avais pas du tout fait de la même manière. Ok, donc 6. Ok, bon. Moi, je vais.
faire ça de manière très standard. 6, boum. Voilà. On va avoir une logique de conception, mais comme j'ai pas conçu les deux trucs de la même manière, forcément, va n'avoir un souci. Alors, par contre, un petit point central, c'est pas du luxe. Yes, nickel. Et alors là, je me souviens plus par contre, le diamètre intérieur était pas trop mal. J'étais à combien? 2,5. Ok. De mémoire, on n'était pas trop mal. Yes. Nickel. Et du coup, maintenant. Et jusqu'ici. Impeccable. On va faire un bon chanfrein là parce que souvent, ça merdouille. Ici aussi. Parfait. Là, clairement, c'est là où ça va s'imprimer, donc. Un petit 0,2. Ici, un truc un peu plus violent. Voilà. Et là, on va créer un chanfrein avec un angle. Angle ou droit de distance, c'est plus simple. Donc, on est sur du 0,3. Alors j'aimerais bien aller jusqu'à la moitié du de l'axe. Ah bah non. Non, moi je voulais juste faire un voilà 9,40. Ok. Et du coup, ah il me l'a validé. Ouais. Voilà. Pas mal ça. Nickel. Quick, quick. Et voilà. Notre pignon qui est équivalent du coup à ce que j'avais fait de l'autre côté. Poulie menante. Allez, bam. On va s'imprimer ça avec la machine qui fait du bruit. Alors par contre, j'espère qu'elle ne va pas me refaire de la merde parce que je sais pas si c'est le plateau qui a bougé. Il a fait super chaud ici. Et genre j'ai l'impression que mon delta a un peu bougé. Bon. On verra bien. Alors, tool. Le lancement de Cura, toujours un grand moment. Un long moment. Voilà. Et alors par contre ah oui d'accord, je vais en mettre un tout petit peu plus. 14 minutes, c'est bien ça, semble très bien. Hop. Et donc, c'est parti. Comme ça, bon, 14 minutes, ça nous permet de continuer à prototyper et également de pouvoir voir, de pouvoir continuer à côté et puis de tester si jamais ça ne marche pas par la suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un petit essai voilà, à vide avec l'alimentation sans le monter sur quelque chose de très compliqué. Quoique je pourrais le remonter, vu que c'est les mêmes 10. Quasiment les mêmes. Ah. Donc je vérifie. Après les mêmes dimensions.
Bon, on va voir ça. Je vais l'intégrer. Alors, voilà. Très bien, pour une fois, il se met bien. Et alors, du coup, là, effectivement, le souci, je suis pas du tout... Ah non, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Et on va mettre une petite liaison plan. Alors, plan. On l'inverse. Ok. Donc là, fatalement, on... Ah ben non. Non. C'est pas une liaison plan qu'il faut que je fasse. C'est-à-dire que... Ah. Parce que du coup, les deux poulies elles sont pas alignées. Ça ne va pas, ça. Ça ne va pas du tout, messieurs, dames. Ça va pas, je dindonne. Attendez. Est-ce que je peux faire... Oh. A priori, je peux faire un truc dans ce genre-là. Ok, si je peux faire un truc comme ça. Là, ça marche. Okay. Et du coup, c'est celui-là. Je vais descendre un petit peu. Voilà, nickel. Bon, on est pas mal, là. Oh, merci la cave do it yourself. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il y avait des choses que j'avais oubliées, quand même, ici. Notamment, c'était les aimants. Parce que, vous vous souvenez... Attendez. Atelier. Vous vous souvenez, sur ce système, je vais essayer de l'enlever. J'ai peur de l'enlever parce que... Ce système, il y avait des aimants sur les côtés. Et donc moi, je me servais que d'un seul aimant. Ça me suffisait pour détecter le système. Mais il faut quand même que je les positionne. Alors là, le souci, c'était que au niveau du positionnement... Salut Akanoa. Je l'avais mis au niveau des... comment dire, du pignon. Et du coup, après, j'avais ma carte électronique qui venait... à se mettre très proche de ça. Ce que je voudrais pas faire là, du coup, et que je voudrais mettre un peu plus ici. Donc, c'est-à-dire, sur cette pièce-là, je vais mettre mes aimants, voilà, ici, sur les côtés. Ça, c'est une solution, qui est assez facile à faire, là, dans ce cadre-là. Ou alors, je les mets sur la pièce du dessus, voilà, celle-là. Mais là, ça me semble quand même bien touchy, parce que la pièce du dessus, je l'ai quand même bien simplifiée. Et à mon avis, ça va être compliqué. Donc, je pense que le plus simple, ça va quand même être de mettre les aimants ici et de se servir du plat pour pouvoir détecter. Maintenant, si je fais ça, c'est dire aussi que je vais avoir un roulement, et il faut que j'intègre petit collecteur tournant. Alors, dans quel sens on va faire ça? Parce que là, je conçois à l'envers de ce que j'avais déjà fait précédemment. Ça me perturbe un peu. Je suis quelqu'un de perturbé. Vous le savez. Je vais installer le roulement. Je vais insérer le roulement. Ce sera pas mal, comme ça. On l'aura... Je l'ai pas déjà mis d'ailleurs. Ah non, j'avais juste conçu de manière très très brute. Non, pas en inch, en métrique, bien évidemment. Standard. Très bien.
Hop. Vous avez un peu de l'ASMR imprimante 3D qui fait beaucoup de bruit. Ça ravira les fans. Salut Ericksoner. Alors. Non. Yes. On est. C'est le nouvel album. Ouais, c'est ça. Ça. Là, c'est pignon pour. Enfin, poulie pour. Pour Mad de. Oh putain. Pour Mad Robot en ventilo mineur. Très mineur, là. Sacré titre. Ouais. Je suis désolé, ça va être particulièrement nul en termes de blagues ce soir. Tu veux dire plus que d'habitude? Oui, un peu plus que d'habitude là. Alors, est-ce que je suis bon là? Ouais, c'est pas mal, c'est rigolo ça. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ça ne touche pas. Ça ne touche pas, c'est pas normal. Alors. C'est le top support sensor qui est en bleu. Ah. Ce serait celui-là. Non, c'est pas celui-là. Ah, j'ai pas envie de refaire le. Yes, c'est celui-là. 1 mm. Ah ouais, non, mais non. Beaucoup trop. Et touche pas sa touche. Oh là là! Oh là 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 là! Poulie pour tourelle dans le les barbabacs. J'ai resté 2 heures à regarder imprimer ma machine le jour où je l'ai reçue. Ah bah ouais, mais tu sais, on l'a tous fait le jour où on l'a reçue. Moi, je le fais encore. Des fois, je me penche dessus. Je regarde, vérifie que tout va bien. C'est complètement con. Mais c'est sympa. C'est les machines, c'est ça. C'est toujours très intéressant de les regarder fonctionner. Bon, alors j'ai ce truc-là. Alors, mon petit. Peut-être commencer à modéliser le petit collecteur rotatif là. Déjà, on va le mesurer. Alors, ça dépend quelle imprimante. Honnêtement, la FS-TOS 2, elle fait beaucoup trop de bruit pour te bercer, quoi. Elle est vraiment trop bruyante, cette bécane. Oh mon dieu. Donc, les cotations, ça a l'air d'être des cotes à la con. Donc, il va falloir truander un peu. Bon, ce qui est pas mal, c'est que apparemment sur les deux, les cotations ont l'air similaires. Les cotes ont l'air similaires. J'ai du 12. Des deux côtés en hauteur. On va le modéliser. Ce petit bignou là. Oh, l'Ender 3, elle ne fait pas trop de bruit, hein, en vrai. Comparé à celle-ci. Alors là, je suis sur du 8 virgule. Virgule 3? 8,3. Bon, eh ben allez, c'est parti. C'est tout petit. Et la sortie tournante fait 3 mm. C'est vraiment minuscule, quoi. C'est vraiment minuscule. On comparera les deux systèmes après, mais alors. C'est assez fou quand même. Alors attendez, 12 c'était bien là. Ouais, 12 c'était ça. Donc, moins 12. On va modéliser vite fait les câbles aussi. Parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Comment je vais mesurer ça? C'est vraiment trop petit. 2 mm, 2 mm de sortie, c'est minuscule. Cruiser en mode furtif, un délire. Salut Wartrix, je sais pas si je t'ai vu déjà. Si, je t'avais déjà vu. Oh, piste 2, modélisation de Bignou. Phase B pour les plus vieux.
Ah ouais, Ender 3, c'est invivable comme bruit. Ah la vache. Je sais pas, celle que j'avais utilisée. Ah, il y avait peut-être déjà des trucs pour qu'elles fassent moins de bruit, ces bécanes, quand je les avais vues fonctionner chez quelqu'un. Elle est dans la véranda de mes parents avec du double vitrage bien sonorisé. Ah, bien joué! Bien joué! Donc là, on a 4 câbles de chaque côté. Ouh, ça va être chiant ça! Alors. Très très chiant même. Alors, toc. Voilà, et du coup 4 câbles. Allez. Zo. On va pas se compliquer la vie. Voilà. Une petite contrainte d'égalité partout. On a nos 4 câbles. On t'a testé une machine avec des TMC. Oui, c'est un vive. Ah oui. Ah oui, 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 d'accord. Oui, non, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Bah, même les ventilateurs, maintenant, il y a des solutions, hein, honnêtement. Aeroxonair, il peut t'en parler. Hein. Et il a des bécanes, elles sont d'un silence absolu. Les câbles font 0,5 mm de diamètre. C'est vraiment tout petit. Coucou, c'est silencieux. Ah, c'est vrai que King t'a fait la modification aussi. Ah, ça, c'est les Noctua que tu as, toi, sur ta bécane. Alors, avant de faire ça... oh, on s'en fout. J'allais faire des couleurs différentes pour les câbles, mais je suis vraiment trop fatigué pour faire un truc pareil. Pour ce que ça sert. Voilà, donc on va les faire sortir de 4. Allez, nickel. Ouais, barbe à flemme, là, les enfants. Non, pas du tout, là. Objet, nickel. Mirror, nickel. Impeccable, boum. Il n'y a plus que ces câbles ici à faire. Mais là, les câbles, ils sortent vraiment en mode merde. Donc, je sais pas comment je vais faire ça. J'ai l'impression que je vais juste dire il y a 8 câbles qui sortent et c'est tout. Allez, je vais tenter un truc. On voit rien du tout. Alors le bleu là, c'est pas du plus bel effet. Hein. Il m'en manque un. Quick. C'est horrible. Je vois rien du tout avec ce bleu là qui m'ont foutu pour le color cycling. Franchement, celle-là, il devrait l'interdire. C'est hérésie. Si on regarde les couleurs. Oui! ,48, magnifique. Magnifique. On pouvait pas tomber mieux. Voilà, boum, 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 boum. Je sais, celui du milieu est plus gros, on s'en fout. Voilà. J'ai des câbles qui sortent. 5. Parfait. Alors ça, comment il s'appelle ce petit? Alors c'est un slip ring. Est-ce que tu as un petit nom toi? Alors, M.
SM-08 08U. Avant que l'étiquette s'enlève, parce que vu la qualité de l'étiquette, elle va s'enlever très rapidement. Oula, oula. Ouh, CPU en quick watercooling. Moi, c'est ma découpeuse laser que j'ai envie de passer en watercooling. Il y a des gens qui le faisaient. Je sais pas si c'est vraiment efficace. Ça pourrait être rigolo. À travailler. Ah oui, c'est vrai que t'avais pas travaillé depuis 3 mois, toi. Bah écoute, bon courage. Hein. Bon courage. Alors, on va intégrer le slip ring. Alors attention, on va se marrer. La vache, c'est petit. C'est très petit. Je vais dégager par contre l'origine. Sauvegarder. On a ici. Dur. Couleur stock AMD, ça marche bien même avec un léger aussi. Ok. Ok, ça peut être intéressant. bon. Ce qui est sûr, c'est que à fixer à l'intérieur, va falloir qu'on le mette dans une dans un cylindre, qu'on vienne le maintenir avec une petite vis. Ce système-là, légèrement pour éviter d'appuyer trop sur la coque, mais suffisamment, ou alors le coller. Ah, je sais pas. Je ne sais pas. Il va falloir, en tout cas, qu'on trouve. Alors, ça, c'est intégré, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux trous pour les aimants. Voilà, donc je vais activer ça, dégager ça, parce que sinon, je ne vais plus rien voir. Voilà. Alors, par contre, pour les aimants, je me souviens plus du tout de combien j'avais fait. Ça marchait pas trop mal. 5, 10. Yes. Et là, nice. Ok. J'ai pas forcément besoin de le coter de manière particulière. Ah, c'est fini. Ouf. Ah. C'est justement ce que je voulais éviter. Bon. Ah. Ça, c'est nouveau, ça. Bon, ça m'énerve. Dimension. Peak Arctangent. Yes. Voilà. Mais bon. Ah, voilà. Et on va se... Mais c'est fou, ça. Il va de l'autre côté. Bon. I'm soul. Voilà. Très bien. On a dû faire ça tout de suite. 2 mm. 2 mm, sachant que je vais... Oui, 2 mm, c'est pas mal. Je vais le presser à chaud. Alors, distance, to object, câble. Et là, petite symétrie des familles. Je suis bien d'accord avec vous, camarade. Et ouais, on a maintenant des modos sur nos lives robotiques. C'est devenu important. C'est fou. Et bien mieux que celui d'Intel.
Alors, quick, quick. Ok, bon, super. Les participants racontent. Bah, les certains, ouais, il y a eu certains problèmes sur des lives. Ouais. Enfin, moi, la semaine dernière, je m'en suis pas rendu compte. Et hier, Alf. Cette semaine, la semaine dernière aussi, avec avec Kamikaze. Je regarde en même temps. Donc, ouais. Entouré d'épées. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Il ne va rien se passer. Si tu es sage. on va faire un petit essai. Je viens de finir l'impression. On va passer côté atelier. Voilà, donc on va prendre un roulement. C'est le retour du clan médiéval. Oh! De la bonne blague de dimanche soir. J'aime beaucoup. Chevalier à la table ronde de Barba. Aussi, c'est vrai. Ça peut marcher aussi. Hop. Et je fais une presse de fortune avec mon étau pour rentrer le roulement dedans. Technique un peu bourrin, mais qui marche. Voilà. Bon, on n'est jamais sûr de presser. Là, j'ai fait ça avec un étau de merde. Donc, on n'est jamais sûr de presser bien droit. Mais ça marche. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter cette partie-là, pouette. Et puis, je vais mettre mon système de poulie là. Je vais voir si je peux le tendre. Et puis, essayer de voir ce que ça donne en termes de bruit. Est-ce que j'ai encore. Non. J'aimerais mon tournevis, s'il vous plaît. Merci. Ah. Voilà. Donc tout ça, on va l'enlever. Est-ce que je peux enlever celui-là? Il dit qu'on devrait peut-être se faire un petit. Y arriver. On va quand même peut-être se le brancher. Voir ce que ça donne, si j'ai encore les câbles à proximité en termes de bruit. Alors, c'est branché là, là, que je retrouve un câble d'alimentation. Joli. Si tout ce que j'ai fait, ça sert à rien. Pour le moment, c'est moi qui ai bien. Les gens ne racontent que ceux qui racontent le plus de bêtises, qui sont devenus modos. Ah, ils racontent des bêtises, mais ils insultent pas. C'est là la différence. Faut qu'on raconte des conneries, ça me dérange pas. Alors. Ah, je tourne pas. Tiens, marrant ça. Une connerie. Non. Bah alors, petite. Le moteur n'arrive plus à l'entraîner. C'est marrant ça. Bon, bah écoutez, on va le démonter, tant pis, hein. Hop.
Hop, on va enlever tout ça. Alors, on va enlever ces câbles-là. Ouais, je les avais pas soudés de mémoire. Ah si, celui-là, je l'avais soudé. Ah non, 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 non. J'ai pas soudé parce que comme c'était un proto, j'avais pas fait mes connecteurs, donc du coup, voilà. Ça peut se refaire assez facilement. Bah non, si, celui-là, je l'ai soudé. Voilà. On retire les scotch. Les câbles. Et là, normalement... Ah. Ça devrait pas rester là, ça. Multiprise. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Et de pas péter le print, ce serait con. Voilà. Bon, et maintenant, tu vas réussir à tourner, moteur? Ah ouais. Bon, je sais pas pourquoi ça, il voulait pas. On a vite trop forcé. Tant pis. Alors, déjà, on va... démonter ce coco-là, lui enlever sa vis, prendre celui-ci, changer la vis, rencendre la boulard, ouais. Tu comptes allumer des LED, ajouter des LED sur ta balise, non. Non, non, c'est pas prévu. Il y aura des LED de témoins pour, enfin, sur les côtés, mais pas autour. Hein. Non, non. Non, non, déjà je vais faire un truc simple qui fonctionne, mais non, pas de LED de ce côté là ok, nickel, ça tourne. Tchoup, tchoup. Après, bon, c'est pas avec le nombre de câbles que ça sera un problème. Ah, merci à Canoa. Alors vous voyez là, en termes de dimension, je suis pas très bon là. Si je vais réussir à le tendre comme je veux, donc ça veut dire qu'il va falloir peut-être que je modifie des choses. Pour que mon système fonctionne, parce que je vais être plus grand. Alors, ouais, j'ai deux possibilités. Je vais vous expliquer ça après. Ah, les écrans en plastique qui se bloquent. Voilà. Colonne de Buren avec des néons. Ah, alors des néons dans les balises, ça serait marrant. Mais le truc, c'est que je peux me faire allumer par Planet Science. Allumer par Planet Science, ça c'est drôle. Parce que j'aurais mis quelque chose dans une balise sur l'adversaire qui servirait, qui est pas fonctionnel. Enfin, qui sert pas à quelque chose, quoi. Qui est pas fonctionnel. Qui est pas utile, quoi. Du coup, bon, ce serait un peu con. Ah non, me dites pas que j'ai pas réussi à faire mon test parce que... Ah si. Si. Très bien. Très très bien. Voilà. Ça va de ce côté-là. Je dois aller aussi dormir. C'est vraiment posé. Ah oui, c'était. Oui. Il n'y a pas d'énervement là sur le stream. Même quand ça merde. Bonne nuit à toi, à bientôt. Alors, je peux pas le tendre énormément, mais à la limite, c'est pas grave parce que vu la force du moteur, je vais pas pouvoir faire grand chose. Sinon. Alors, on va le remonter un tout petit peu. Ah ! Allez, c'est parti. Testons ça. Qu'est-ce que ça dit ? Ah ouais, la vache !
Ça a vraiment pas suffisamment de force pour. Ben, ça, c'est ce qui s'appelle un fail. De toute façon, fallait le tester avant de voir si ça pouvait marcher. Mais là, on sent que le moteur, il galère, quoi. Ah, ça peut aller encore, mais... Ouais, il a changé le moteur. C'est pas un joint plus souple. Bah non. Je pense aussi que c'est peut-être le joint. Ça, c'est un joint de 3 mm. C'est un truc que j'avais de côté. Et c'est vrai qu'en termes de souplesse, c'est pas ce qu'on fait mieux. Un bon vieil élastique, bah, va falloir que j'en trouve un. Si j'en trouve un, ça peut-être le faire. Ah, c'est con parce que j'en ai. Je crois que j'en ai jeté un hier. Oh mon Dieu! Un élastique là, mais alors j'ai l'impression que c'est un élastique de 15 mm, 15 mètres de long. Ah non, il est cassé! Élastique! Yes! J'ai un truc. J'ai un truc. C'est vraiment. J'ai jamais d'élastique chez moi là. Bon, celui-là il est peut-être un poil trop tendu, on va essayer. Voilà, même problème. Mais par contre, je peux peut-être. Arrête-toi. Petit lapinouf. Hop. On le détend un petit peu. Oui. Yes. Alors on sent qu'il galère quand même le moteur. Pourrait le faire. Voir si j'ai pas un truc plus petit que ça. En tout cas, ça marche avec un élastique. Je sais pas, les élastiques à cheveux. Ça, c'est la violence. Attendez, je cherche un autre élastique. Si jamais je ne trouve pas. Voilà. C'est pas grave. C'est con, le seul autre élastique que j'ai. C'est un truc tout. Même pas si en faisant un nœud, j'arrive à faire quelque chose. Sera pas terrible. Ça va pas être terrible. J'ai pas un truc qui traîne là. Pour refaire un test. Sinon, en principe, ça doit marcher, mais c'est vrai que le moteur a l'air un peu faible, quoi. Pour le coup. Ça a l'air un peu faibloune. C'est vraiment l'élastique récupéré. Ah!
Attends. Câble. Oui, là, on est vraiment sur du. Ça veut même pas tenir. C'est pas terrible, ça. Ça, c'est pas terrible. Essaye. On va le tendre quand même un petit peu. Il démarre pas ce coin. Ouais, j'en ai marre de passer par la carte. On va passer directement, pas en 24 volts, sinon le moteur il va bien faire la gueule. Oh. Bon, cet élastique, c'est pas la joie là. On est pas sur le gros élastique. Même comme ça, même avec un élastique qui est pas hyper fort, je sens que le moteur il galère un peu à tourner. Bon. Comment dire? J'ai pas l'impression que ça marche des masses. Enfin, ça marche, mais néanmoins, un truc qu'on peut dire, c'est que les diamètres sont les mêmes. C'est-à-dire que si je compare, je vais sortir ça. Voilà. Si je compare entre les deux là, ce diamètre là est quasiment équivalent. Voilà. Et ce diamètre là est également équivalent. Donc ça veut dire que je pourrais, si jamais je dois tester quelque chose plus tard, je peux tout à fait cette pièce là la dégager et la remplacer par un truc comme avant. Ça ne gêne en rien. Merci GG2B. Tout roulement n'a pas trop de frottement. On s'est rendu compte au boulot que même avec des roulements de qualité, t'as rapidement des variations importantes. Non, ça a l'air d'aller. Si je compare peut-être avec un autre. Bah, celui que j'avais avant avait l'air de bien moins bonne qualité. Je regarde vite fait, mais je sens rien. J'ai plus de mal à le faire tourner celui-là que celui-ci, j'ai l'impression. Tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Parce que bon, clairement, je vais enlever le capteur. Si je remets celui-là. On va remettre le précédent. C'est marrant, la vis elle part sur le côté. C'est ça. On va regarder ce que ça donne juste avec ça. Voilà. On rebranche. Clairement, le moteur, il fait son taf, quoi. Bon bah c'est tout, c'est pas grave.
En soi, c'est pas très grave. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'idée avec ces moteurs-là, avec même un petit joint, etc., ils sont pas assez puissants pour entraîner en rotation. Enfin, le mouvement, il est moins bon en rotation que quand j'ai des engrenages. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va reconcevoir cette pièce-là en lui mettant l'engrenage. Voilà. Cette pièce-là, elle change pas. Ça, c'est ce pignon-là. Voilà. Du coup, ça va aller vite. On garde l'idée de mettre l'aimant là-dedans. Et il faut de toute façon reconcevoir le support pour pouvoir mettre notre petit. Hop. Pouvoir mettre et tester la petite pièce qui est ici. Remarquez qu'on pourrait le tester. Est-ce qu'on pourrait pas le tester là tant qu'à faire? Bon, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire qu'on va tester ça vite fait? Ce serait bien. Genre on le blinde de colle, on regarde ce que ça donne, on regarde si ça frotte pas trop. Salut Adèle 3000! Hop. On va démonter ça. Toute cette carte-là. De toute façon, pour l'instant, on sait que ça fonctionne. On peut l'enlever. Faire un peu de place sur mon établi parce que là, c'est déjà le bordel. Voilà, on débranche. Oui, la colchonne. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué avec la colchonne. En vrai, est-ce que j'ai déjà joué avec la colchonne pendant un live? Je suis même pas sûr. Genre 40, plus de 41 lives, j'aurais pas mis de caution. Ça serait drôle. Alors, on va mettre de côté des choses. Ça, il faut qu'on le reconçoive, on le met en face. Ça, c'était l'ancien, c'était pour vous montrer. Il y a ceci. La colonne de Buren, on en parlera un autre jour. Je suis désolé les gars et les filles. C'est pas pour ce soir. Ça, c'est mon câble en 24, j'en ai plus besoin. Ça, on va devoir l'insérer. Ça jette. Voilà, un petit peu de rangement. Voilà. Alors, ça, c'est à reconcevoir. On le met de côté. Alors, ça jette aussi. Ça, on met de côté aussi. Ça marche pas. Ça. Voilà. Ça, c'est mon moteur qui est cramé. Voilà. Voilà. On va démonter ça. Et puis, on va le mettre à l'intérieur. Voir ce que ça donne. Petit kiki, on le met à l'intérieur. Donc déjà, c'est intéressant de savoir si tous les fils passent dans ce. D'accord, donc on peut reprendre les dimensions qu'on avait prises la dernière fois. Apparemment, même avec plusieurs autres câbles, ça fonctionne. Si je fixe ça, est-ce que ça tourne? Écoutez, ça tourne. Allez, c'est parti, colle chaude! L'idée, ça va être de faire ça, coller en dessous, et ce qu'on va faire, c'est que on va coller les câbles au-dessus pour pouvoir les entraîner en rotation. Volontairement pas les couper. Voilà.
Ah tiens, pourquoi vous êtes là-haut? Ah oui, il y a des aimants. Tant que ça sèche, tant que ça chauffe. Oh là, tant que ça chauffe, on va resserrer ce système qui bouge dans tous les sens, qui a tendance à m'énerver. Voilà, alors là c'est trop, c'est pas trop mal. Je me demande si je l'avais pas trop serré la dernière fois. Ça expliquait aussi peut-être le bruit. Là, il y a trop de jeu. Là, c'est un peu mieux. Regardons ça, on va se rebrancher. Ça a l'air pas mal. Réduire le bruit. C'est bien, j'en ai foutu partout. Salut Nuoradillo. Je l'ai branché ce feu. Ouais, si c'est bon. Ah, il y a de la graisse partout. De toute façon, pour l'instant, on s'en fout. Alors, est-ce que je vais réussir à le coller à l'intérieur? Écoute, ça va très bien, très bien. Et toi? Essayer de coller ça sur le côté. Pas vite. Attendre que la colle chaude sèche. Généralement, ça sèche quand même beaucoup plus vite que ça. Hein. Si chaud que ça. Et je vais essayer d'en mettre des deux côtés, histoire de le maintenir pour pas qu'il tourne à la première. Premier effort venu. Voilà. Plus qu'à attendre que ça sèche un petit peu. Je vais le maintenir. Bon, comment ça va, vous? Pas faire grand-chose de plus qu'attendre là. Alors, ça tient. Je vais chercher un petit morceau de scotch.
semblait l'avoir sorti. Non. Alors. Juste fixer ça. Voilà. Ici, pour pas que ça. C'est le moment d'une jingle café. Écoutez, oui, si vous voulez, vous voulez prendre un café, je pense que c'est bien. C'est une bonne chose. Moi, je vous dirais que je vais faire une pause sur le café. Alors, hop. On va ficeler ces câbles-là ensemble là, pour éviter qu'ils nous emmerdent. Voilà, et alors comme j'ai eu la bonne idée de mettre un peu d'huile de vaseline, forcément, j'ai les doigts gras, il y en a partout sur le système, mais bon, ça c'est pas grave. On va le rebrancher, on va faire un essai déjà sans. Ouais, bon, c'est un moteur, après j'aurais pu le brancher dans un sens ou l'autre, c'est pas grave. Voilà. Coffee time. Ou beer time, hein, ça dépend. Hein. Bon, a priori, ça... C'est la vitesse sans mon système de collecteur tournant. Et maintenant, on prend un câble. Les câbles, on va les hop, mettre comme ça. Et normalement, le collecteur tournant doit faire tourner mes câbles. Et ne pas réduire la vitesse de mon système. Si tout va bien, ça a l'air d'aller, ça a l'air de faire le taf. Donc quand même, on est parti de ça en termes de taille. Hein. Voilà, à ça. Hein. Et ça a pas l'air trop dégueu. Hein. Donc ça veut dire quand même aussi que si vous regardez bien, quand on regarde le système débranché, quand on regarde le système, tout, enfin à part le moteur qui dépasse ici, tout le système il est intégré là-dedans quoi. Voilà. Y avait la carte électronique qui était ici parce que ça me permettait de réutiliser un proto précédent et mais je peux mettre très clairement ma carte électronique ici. Voilà. Toute cette partie-là, en fait, maintenant, tout ça, là, autour, là, tout est libre pour pouvoir mettre une carte. Donc, je suis très content. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là, je l'ai reconçue. Cette partie-là, il faut que je la reconçoive avec les dents. Pareil pour celle-ci, je vais juste reprendre le fichier que j'avais déjà fait. Oups, pardon, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas très bien. Là, vous voyez, là. Et je vais... Alors, je vais essayer de l'enlever sans tout bousiller. On va peut-être enlever le scotch. Voilà. Et vous voyez la partie qui est en surplomb, là, ici, là. Toute cette partie-là. En fait, c'est ça que je vais redesigner. Je vais refaire une pièce comme ça pour pouvoir monter à la fois le collecteur, le moteur, ces pièces-là pour pouvoir faire un réglage. Et une fois que j'aurai ça, en fait, c'est ce truc-là que je vais mettre sur une plaque en acrylique découpée au laser avec ma carte électronique autour et qui va me faire ma balise. Du coup, voilà l'idée pour la suite sur ce proto-là. Alors, c'est pour finir ça ce soir, clairement. Mais on va avancer déjà. Bonjour. On va avancer et on va faire les modifs déjà. Et puis ensuite modéliser, récupérer cette pièce-là, récupérer cette pièce-là et modéliser cette pièce-là. Une fois qu'on aura fait ça déjà, on aura pas mal avancé. On aura déjà de quoi nourrir nos réflexions. Éteindre ça. Est-ce que j'ai débranché mon pistolet ? Oui, c'est bon. Et pourquoi pas le moteur Dremel? Ah oui,
Parce que pour vous expliquer, le moteur Dremel, c'est pas un moteur Dremel, mais en gros, Alex, il a pris ces moteurs-là, les N20, il a pris le moteur, il l'a dégagé, et il a mis à la place un petit moteur, alors ils disent brushless, mais bon, de mini-drone, voilà, donc c'est un truc qui est un tout petit peu plus long, mais qui est beaucoup plus petit, qui a un diamètre beaucoup plus petit que ces moteurs-là. Et alors, avec le même réducteur, ça a une pêche et une vitesse en sortie qui est juste incroyable. Du coup, tu me dis pourquoi pas le moteur Dremel? J'ai envie de te dire que pourquoi pas, en fait, en vrai. Je pourrais le mettre. Je pourrais le mettre. Ce serait pas un problème. Et ça pourrait complètement s'adapter à mon design. C'est-à-dire que je peux changer le moteur, je peux même changer le truc de réduction pour ce moteur-là. Le truc qui me limite, c'est que ces collecteurs tournants, ils ont une vitesse limite au-delà de laquelle tu commences à avoir des petits problèmes de connexion. Et en fait, je ne sais plus à combien j'étais, mais en tout cas, la vitesse à laquelle on l'a vu tourner là actuellement, eh ben, en fait, je suis quasiment à la vitesse max. Donc en fait, le moteur Dremel, à part me donner de la pêche, me donnerait pas grand-chose, sauf si je veux repasser sur une courroie. Mais bon, à voir. D'un autre côté, si je veux passer sur une courroie, l'ensemble du système change pas. Je peux garder l'ensemble du système tel quel. Voilà, donc toute ma conception, elle est encore valide. Donc pourquoi pas, faire un essai. Je vais peut-être en commander, puis refaire ce que t'as, le même type de système que t'as fait toi. Ça pourrait être effectivement intéressant. Donc on va repasser sur le bureau. Et du coup, on va regarder. Donc effectivement, cette pièce-là, on n'en a plus besoin. On va la remplacer par le pignon 22. Voilà. Pignon qu'on va venir installer ici. Voilà. Et alors, comme on ne sait pas trop encore comment on va le positionner, voilà. Maintenant, cette pièce-là, la poulie, et ben en fait, il faut que je la change complètement. Ce qui m'arrange pas parce que j'avais déjà tout conçu dans la même pièce. Mais bon, tant pis. J'ai deux choix, soit je l'enlève. Alors comment est-ce que je peux faire? Faire ça proprement. Je crois que j'ai pas le choix, je crois qu'il va falloir que je reparte. Alors. Open, on va ouvrir l'autre pièce que j'avais faite, donc c'était cette pièce-là. Alors, dans l'ordre, comment je l'avais comment elle avait été dessinée? Ok. J'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée pour me simplifier la vie. On va le tenter. Je vais copier cette pièce-là. Alors, bon, 200, actionneur, mode balise. Copie. Voilà. Je vais la réouvrir. Oh, j'ai fermé la mauvaise. Voilà, réouvre. On va y arriver. Voilà. Et du coup. Donc c'est à peu près ici. Voilà. Je vais juste récupérer uniquement le, comment dire, les dents. Et je vais essayer de les mettre directement dans ma pièce. Alors, est-ce que ça... Si ça, je le supprime. Voilà, j'ai ça.
Voilà, là il me dit qu'il y a des chanfreins qui vont pas. Oui, c'est pas grave. Il me dit qu'il y a des fixations qui vont pas. Ça, il me dit que ça n'existe plus, mais c'est pas grave, ça peut se corriger après. Ok. Et du coup, maintenant que j'ai ça, je vais ouvrir la pièce. Voilà. Je vais reprendre mon diamètre. 44, très bien. Et ici, est-ce que 44, ça fait quoi? Ah! Je vais pas pouvoir faire ce que je voulais. En fait, je voulais prendre la pièce, la mettre dessus, remettre les, rajouter les engrenages, en fait. Sauf que là, c'est plus compatible avec ce que j'ai designé, parce que du coup, je me suis basé sur. Alors, est-ce que je peux pas essayer de revenir en arrière sur ça et puis faire un. Que là, clairement, où est-ce qu'il est? Gros, faudrait que je fasse un truc à 40, quoi, que j'enlève 2 mm, 4 mm sur le diamètre, quoi. Ça va pas être évident, ça. À quel moment je l'ai déterminé ça? Je l'ai déterminé ici. Ah oui, puis je peux pas véritablement faire autrement. Oh mon Dieu. Ah oui, cette esquisse, c'était un peu l'esquisse de l'enfer. J'ai pas trop envie d'y retoucher. Bon, eh ben on va pas faire comme ça. T44, bah du coup c'est tout. On va se démerder pour avoir une denture qui fait ça, quoi. Donc sur combien? Sur 7. Ok, très bien. Alors, 0 module 4,4 pitch. Alors, le truc, c'est de retrouver. Retrouver le module et retrouver celui que j'avais utilisé. Et forcément, c'est pas. C'est pas intégré. Alors, on était à 44. C'était un module de 1 de mémoire. Ou 1,5. Oula, qu'est-ce qui se passe? Eh ben. Ah oui, tu m'as créé ton truc. Ah oui, parce que t'es sorti du module. D'accord, ok, ça va le faire. Alors. 0. Tu lui as donné de l'eau maltine à ton moteur de rêve. Preview. Ah, pourquoi il veut plus? Ah, c'est marrant ça. Le module fonctionne plus? Ah, oh, une mise à jour de Fusion qui me répétait mon module? Oh non, pas ça. Si je fais OK là. Ah ouais. Qu'il y a un petit souci avec Helical Gear. D'accord. Ok, alors ça c'est un souci, ça. Ça c'est un vrai problème.
Barbatronic save Discord. Ah, il y a un truc sur Discord. Qu'est-ce que c'est sur Discord? Ah oui, il y a le moteur. Attendez, je vous montre ça. Comment est-ce que je peux faire? Ah oui. Ah! Bon, bah, ça sera comme ça. Allez. Voilà le petit moteur. Ah, c'est mignon ce petit support que tu lui as fait. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Pour le coup. Bon, alors moi du coup, je suis un peu emmerdé avec mon module. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour, mais alors... Oh. Alors, est-ce que c'est pas parce que ma pièce ou un truc comme ça que j'aurais fait mal? Ah non. Non, 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 non. Alors, attendez, je vais faire juste une petite recherche vite fait. Est-ce qu'il n'y a pas besoin? Ah, il y a eu une mise à jour le 14 mai. Ah. Bon, alors a priori. Priori, c'est logique. Alors, on va le réinstaller, je le download. Voilà, ça va aller vite. Il est en 3v3, le moteur, et il a une patate étonnante. Là, t'es en 3 volts, là. Ouh. Là, t'étais en 3 volts, là. Effectivement. Oula. Bon, attendez, on va faire un truc. On va relancer Fusion pour lui laisser la possibilité de... ça, on va faire Don't Save pour le moment. Ça, c'est bon. Ça c'est bon, il n'y a pas besoin de le sauvegarder, ça c'est ok, ça par contre on va le sauvegarder. On ferme ça, en tant qu'il upload. Et puis on va le relancer en espérant que ça marche. Alors dernière version. Ouais, ils ont mis ça. Mai 2020, l'update Fusion casse pas mal de choses, fixe. Ok. Bon bah... Donc, au moins c'est fait, ça a été corrigé. Ah, c'est marrant, Fusion s'est lancé à côté. Ah, voilà. Ce qui est un peu dommage, c'est que du coup, je vais perdre un petit peu en réduction. Bon, c'est pas trop grave, mais. Alors. Ok, donc maintenant, si je crée un Helical Gear, bah si je fais rien, normalement ça doit marcher. Oui, ça marche! Yuki! Yuki! Alors, est-ce que j'ai des informations sur... Je comprends pas ça, il met... Il met 0,1 module. C'est petit 0,1 au module. Si je mets 1, 1, 1. Ah! Oh! Ça me le garde. Ah oui, ça me l'a gardé. Oh, bah très bien ça. Donc c'était 1 au module. Ok. Oui, du coup c'est ça. Ah, super. Ouf! Bon, c'est moins pire que ce que je pensais. Yes, et du coup, c'est bon, maintenant on peut le faire. Donc, on va lui laisser ses degrés. Un module à 1. Alors, 44, on sait que ça marche pas. On va essayer avec 46. Alors, c'est 7 mm. 46, le base diamètre, il est à 43
226. Alors, je réouvre ça. Moi, c'est 44 que je veux. Donc, ça va pas du tout encore. On recommence. 47. 7. 7. 0. Et 1. Alors, maintenant, on est à combien? Base diamètre 44,166. Parfait. Nickel. Là-dedans, on fait ce qu'on a dit. On va venir mettre. Voilà, ça à 44. Impeccable. Ah, j'aurais pu faire le perçage aussi à 44 directement. Bon, c'est pas grave. Ça, on va l'enregistrer et on va mettre base. 47. This is. Ah, j'aurais dû mettre un S. Bon, tant pis. Alors là maintenant, un petit color cycling quand même. Et si je l'intègre, yes. Voilà, je vais le centrer. Impeccable. Et donc, en théorie, je vais pouvoir faire une voilà combine. Alors non. Si c'est sa target body, tout le body join. Et voilà. Par contre, pourquoi j'ai un. Ah ouais, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, il l'a gardé quand j'ai fait le combine. Keep tool. Ah merde! C'est pour ça. Voilà. Bah pourquoi il veut le garder? New component. Keep tool. Moi, je veux l'enlever, moi. Ok, c'est parce qu'en fait, c'est un objet que je viens rajouter. Donc je suis obligé de le cacher. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis. Ok, bon bah Worksheet, ça a marché. Il n'aime pas que ce soit des composants. Non, non, en fait, c'est pas ça. C'est que comme c'est un objet que j'ai, c'est un composant que j'importe, il veut pas le supprimer en fait. Si j'avais créé les dents à l'extérieur, enfin dans l'objet directement, dans le projet, là j'aurais pas eu de souci en fait. C'est uniquement pour ça. Bon, ceci dit, c'est pas très grave. Par contre, là, c'est. Ça, c'est pas foufou, ça. Bon, bah de toute façon, comme de toute façon, ça, on savait pas où c'était. Tant qu'à faire. Voilà. On a résolu le souci. Alors, lui, il dit. Ah ouais, alors là, du coup, il y a des planards et des machins. Ok. Et ça, c'est quoi? D'accord, ok. Ça, c'était la jonction intérieure. Voilà. Et là, on a tout corrigé. Wouhou! Bon, bah, c'est pas mal. Je trouve qu'on s'en sort bien. Cool. Cool. Il manque juste. Je vais l'isoler. Il manque juste maintenant, c'est mes chanfreins. Et sacré chanfrein. Voilà. Nickel. Et on sera parfait. Bon, ça c'est pas mal. Alors maintenant, on a des pièces à réintégrer. C'est le support moteur.
Voilà. Et j'ai... Ah mince. Voilà, support moteur qui fonctionne bien. Donc tant qu'à faire, autant le reprendre. Allez. Voilà, nickel. Et ce support moteur, on va venir le fixer sur le moteur. Alors que je regarde vite fait comment c'est foutu. On le fixe sur le dessus. Donc en théorie, je vais venir faire ça. Ça. Non, zéro. Pourquoi... Voilà. Je me souvenais qu'il y avait un souci. Ah oui, c'est ça. Quand on vient le serrer là. Bon, c'est pas là. Voilà. Et alors. Ouais. Même c'est qu'il est orienté de coin, c'est un peu bizarre. Comment j'ai fait cette liaison là? C'est lié à quoi ça? D'accord, c'est une liaison avec un... Ok, je viens de comprendre. Il faut que je la supprime. C'est elle qui me... Voilà. Là, du coup, ça bouge. Et ça bouge comme ça. Parfait. Do delete. Yes. Voilà. Donc là, je suis centré. Maintenant, je peux faire une liaison. Voilà. Non, dans l'autre sens. Voilà, sur le plan. Ça, c'est bon. Et donc, je vais régler plutôt de ce côté-là. Donc, il va falloir que je... Alors, dans quel sens je le fais? Est-ce que je le positionne et puis après, je vois ou... Alors, déjà, il y a un truc qu'on peut faire. Ah, je ne vois plus rien. C'est ça. Voilà. Ça déjà, je suis correctement positionné. Ne me reste plus qu'à venir bouger sur le côté. Et on sera pas mal. Alors... Là, il y a deux choix. C'est soit je commence directement à faire le support. Soit je positionne ça avec un assemblage, mais... 30. Ok, vous savez quoi? On va faire un truc, c'est que le support, plus le moteur, plus le pignon, tout ça on va le cacher. On va le garder pour plus tard. On va juste s'enregistrer le fait que c'est dans le sens de l'axe Y qui est orienté. Quoique en fait on s'en fout, on pourra le réorienter après. Mais pour l'instant, on masque tout, on n'en a pas besoin. Et on va travailler sur le support. Ouais. Ça me semble bien. Alors, j'ai mon roulement qui est là. Alors, comment on va faire pour travailler là-dessus? On va... Voilà. Ça, c'est pas mal. Nickel. On a une vue de coupe. Bon, on va travailler avec cette vue de coupe ouverte. Ça me semble très bien. Non, par contre, dans ce sens-là, je vais me tromper. Ok. Donc, il faut que je vienne en appui sur la partie intérieure, hein, du roulement. Que je descende
en dessous de cette de ce niveau là. Ah. Jusque à peu près là. Voilà. Jusqu'à mon support, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre une ligne de construction qui correspond à la hauteur de mon support. Voilà, comme ça, le support, hop, je le masque. Ça, c'est mon niveau bas. Très bien. On va se créer un niveau haut. Toujours en construction. Qui est ce niveau-là. Ah, il veut pas parce que c'est pas une... Il va falloir que je projette ça. Oui, tu veux que je projette. Voilà. Bon. Très bien, comme tu veux. Ok, et on va projeter du coup cette ligne-là en construction. Voilà. Ce qui fait que si j'enlève ça, voilà, j'ai toutes mes pièces et je peux commencer à travailler. Donc... clac, je descends jusqu'ici, ici, voilà, grosso modo, j'ai un truc qui va ressembler à ça. Et voilà. Alors il y a un truc qu'on connaît, c'est ça. Ça fait 4 mm. C'est l'intérieur de mon roulement. Voilà. Roulement qui va se situer ici. Donc en termes de hauteur. Ah oui, c'est un truc que je voulais vous montrer, auquel j'ai pensé, mais que j'ai pas, je vous ai pas expliqué. C'est que pour fixer, parce que là, si on regarde, voilà, le roulement, il est ici, il va venir embuter contre ma pièce ici, mais rien n'empêche pour lui d'être enlevé en fait vers le haut, donc de partir vers le haut. Donc pour être sûr d'avoir un bel appui entre là et là et pouvoir faire tourner ça correctement, ce que je vais intégrer. Ce sont des anneaux à vis. Les anneaux à vis, c'est ça. T'as un anneau à vis au-dessus, que j'aurais dû modéliser d'ailleurs. Voilà. Qui est cette pièce-là? Et qui va venir, en fait, si je le refais vite fait, sans mettre le roulement. Hein. Bah non, s'il faut mettre le roulement, sinon ça n'a aucun sens. Voilà. Donc si je mets le roulement comme ça, là aujourd'hui, comme vous voyez, je passe les câbles. J'essaye. Voilà, les câbles sont passés. Voilà. Et une fois que c'est mis, c'est juste inséré par en force, quoi. Donc du coup, ça peut être un peu pas droit, ça peut être un peu sur le côté, etc. Donc l'idée, c'est de prolonger l'axe ici et de venir mettre l'anneau au-dessus. Donc, de visser dans l'axe et d'appuyer dessus. Je peux pas mettre une vis ou un écrou. Parce que bah, c'est pas fileté, je peux pas fileter du plastique, c'est pas, ça se fait pas trop. Donc du coup, je vais plutôt utiliser ce système-là. Et je vais profiter que cette pièce-là, dans ma conception actuelle, elle est dissociée de cette pièce-là, pour d'abord venir insérer ma première pièce. Voilà. Dans le sens, ça va être hop, comme ça. De d'abord venir insérer ça. Hop, de venir mettre mon anneau, de visser, et ensuite de venir poser la plaque au-dessus et de la visser avec mes 4 vis. Voilà l'idée. Donc il y a ça auquel il faut que je pense. ASMR mouchoir. Alors. Donc maintenant que ça c'est dit, je vais recacher mon roulement, je m'en occuperai après, ou je peux m'en occuper tout de suite, parce que je sais que mon roulement il fait 7 dp, et que ma bague elle fait 8. Donc je suis à 7 plus 8, voilà, 15, j'arrive ici, et théoriquement si j'ai bien fait mon truc,
Voilà. Ça fait 20 de diamètre. Et ma bague, normalement, elle fait moins de 20, elle fait 16. Avec la vis, j'arrive à un peu moins de 20, j'arrive à 19. Donc, mon truc est correct. Maintenant, le diamètre intérieur. Alors ça, je vais réouvrir ma version précédente, puisqu'en fait ça marchait très bien pour le passage des câbles, c'était suffisamment petit et à la fois suffisamment solide pour être imprimé. Je vais même peut-être le réduire un tout petit peu. Voilà, pour être sûr de la solidité. T'es à 4, je vais passer à 3,5. Donc de diamètre. Voilà. Nickel. Donc ça, c'est bon, j'ai mon axe. Ensuite, je remets mon roulement. Là, ici, il faut au moins que je me mette sur la bague intérieure. Donc là, a priori, je suis pas mal. Je pourrais aller voir. Bon, il faudrait aller voir la data sheet du roulement et regarder ce qu'il préconise exactement. Mais bon, si je prends un roulement. Très simple, la bague intérieure, elle fait 10. Donc ça veut dire que là, je suis à 5 de diamètre, de rayon. On est bon. Donc là, on va reposer dessus. Alors, leur roulement, en fait, c'est pas les mêmes que les miens. Donc, bon. Je vais plutôt prendre par rapport aux miens. Voilà. Et du coup, là, après, bon, j'ai tout le reste du système. Alors, ça, maintenant, on a dit que ça faisait 8,30. Donc, ça veut dire que ici, globalement, volontairement, je la laisse inachevée. 8,30 divisé par 2. Voilà. On va se laisser un petit peu de marge. On va dire que si on se laisse. Parce qu'il faut quand même que ça puisse rentrer assez facilement. Et qu'après on vienne le. Oh, je sais pas. De toute façon, il faudra faire des essais. Si ça fait 0,1 de chaque côté. Pas fou. Allez. Voilà. Donc on a ça. On a ça. Faut lier les deux. Donc on va avoir un truc dans ce genre-là. Si on regarde le slip ring, vu atelier. Ah merde. Désolé. C'est con parce que j'avais bien avancé. Voilà. Du coup, j'ai fait le haut. Le contour. Et puis, là, je suis en train d'intégrer le slip ring. Je devrais avoir un truc. Ah, c'est compliqué. Genre un bouton pour dire de passer en vue atelier ou vue bureau. Alors, 3 mm. Yes, et on a mis combien là? Parfait ça. C'est parfait parce que j'ai 3 mm 5, ça veut dire que ce qui tourne ici là passe dans mon axe. Du coup, je vais peut-être trop passer sur 4 finalement. On va repasser sur 4. Ce serait pas mal. Voilà. Et je vais volontairement. Alors là, par contre, il faut que je reprenne un. Que je regarde quelque chose d'interactif. Petite clochette. Ah, ça serait pas mal. Ah, sachez que maintenant, il y a un bot. Aussi. Donc, ça veut dire que. Si. Oh! Oh, c'est encore ce bug de ma souris là. Ça veut dire que normalement. Salut Mesker! Si vous faites. S'il y a un nouveau qui vient et qui ne sait pas de quoi on parle et qu'on dit hey, on parle de la coupe, normalement si vous faites point d'exclamation coupe, ça doit générer quelque chose. Ha! Ça ne génère rien. Bon, ben voilà, ça marche pas. Je pensais que ça marchait. Genre, normalement, si je dois faire ça, je ne l'ai pas testé, je l'ai mis. Ah, si, ça marche. Help.
Commandes. Ah. Alors j'ai peut-être pas mis coupe. J'ai peut-être mis robot ou une connerie comme ça. Ah bah j'ai rien mis du tout. Ah non, robotique. Putain, c'est vraiment très con. S'il y a un nouveau qui vient, vous faites voilà, robotique. Et ça vous donne les deux liens, la Coupe de France de robotique et la Maker Fight. C'est ce que Rosalind, elle faisait la semaine dernière. Voilà. Et il y a un cooldown pour éviter que ça soit vite le merdier. Ah, j'ai pensé à toi, Rosaline. Alors, je veux que le Steel Spring, il arrive ici. Mais je veux pas qu'il rentre en contact avec le... Quand même, j'ai deux... Tiens, ça, je peux le fermer. C'est un peu... C'est peu. On va mettre trois. On me vole mon travail. On me vole mon travail. Ah, mais pourquoi tu le retournes, toi? Je veux comme ça. Et alors là, cette distance-là, c'est un peu au choix. On va pas la coter comme ça. On va la coter par le diamètre extérieur. Alors, ça fait quasiment 8, ça fait 16 mm de plot. C'est pas énorme, hein. Et d'un autre côté, faut pas que je sois trop grand parce que si jamais je remets la poulie, voilà, les trous ils sont là. Donc quand ça tourne. Ah oui, attendez. Ça va pas ça. Bon, on va laisser 8, mais en fait, non. Ça ne va pas, ça. Voilà. Pareil. Justement, il faut que je laisse un tout petit... Un tout petit peu de jeu. Pour éviter les contacts. Donc, attendez, je viens en appui là. Clac, clac, clac. 0,6, est-ce que ça va être suffisant? Moi, ouais, je m'en fous, je peux... Ah oui. Non, non, ça sera là. Et là, on va avoir un petit angle. Pour être tranquille. Et ici, on va laisser 1,4. Voilà, très bien. Et maintenant, notre diamètre intérieur, 10, fait 20. 20 pour le plot central. C'est pas mal. C'est bien. Sachant qu'il va y avoir la carte électronique après autour. Donc non, c'est bien. Ouais, ça me semble très bien. Fichtre. Je sais pas comment on peut lui demander d'enregistrer la position quand il est dans une esquisse. Je suis pas sûr qu'on puisse d'ailleurs. Ok. Et maintenant, bam. Rotation. Alors non. Ce sera un nouveau composant, Coco. Et voilà. Alors là, on est au même... oui, c'est bon. C'est bon. On va enlever l'analyse. Très bien. Revenir mettre la poulie. Voilà, donc il y a les aimants ici. Ça me laisse la place pour mettre de la une carte. C'est quoi là? C'est 11,60. Je peux pas. Ah. 11,60, ce qui est dommage, c'est que je peux pas mettre une carte plus
plus, un petit genre un Tinsy ou autre dessus, je suis obligé de faire une carte un peu dédiée. Avec son petit microcontrôleur. Ou alors je fais un petit truc un peu bizarre. Bon, ça peut se faire aussi. Pourrait se faire aussi. À voir. Ok. Très bien. Alors maintenant, on va revenir. Merci, Trash Control. Alors, maintenant, on va reprendre le mode balise. Du coup, ça, c'est le 2.1. Je suis en train de faire le 2.2, à votre avis? Ça y ressemble vachement, hein. Donc, en fait, il faut que je refasse cette base, là. Maintenant. Avec les bonnes dimensions pour pouvoir fixer mon moteur. Il y a un petit truc que je ne vous ai pas dit aussi. C'est que si on regarde là, ce diamètre-là, je suis à 80. Alors qu'en fait ici, je suis vachement descendu. Ouais, j'ai 1 cm de moins. 70. Pour la simple et bonne raison que. Alors, quand on regarde au-dessus, c'est 80. C'est 70 comprenant quasiment les capteurs. De l'autre côté, les capteurs en plus dépassaient encore. C'est-à-dire que quand je fais de là à là, j'étais à 90. J'ai réduit mon diamètre extérieur pour la rotation, pour justement essayer de gagner de la place dans le mat balise et faire quelque chose d'un peu plus compact. Avec ça, j'en avais pas parlé. Bon, maintenant, néanmoins, le slip ring, je peux l'enlever. Je peux l'enlever, je peux l'intégrer. Et voilà, maintenant c'est bon. Salut Roger, bonne nuit à toi aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui reprennent le boulot là en ce moment. On va recommencer à avoir des lives très très calmes le dimanche. Alors, tac. Et maintenant ça peut aller. Non, 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 non. Que ce soit fixé, rigide. Voilà. Alors là, il est juste posé, comme ça, au fond. Ce qu'il va falloir faire, c'est venir lui mettre une petite vis pour pouvoir le fixer. On peut faire ça tout de suite. Comme ça, on aura fini avec cette pièce. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, voilà, une ligne. 6. Nickel. Je vais pas en mettre qu'un seul, je vais en mettre. Salut Kamikaze! Bonne nuit à toi aussi. Voilà. Et bon courage. Ouais, merci. Jusque là plutôt. Yes. Barba fatigue. Ouais, bah tu sais toi-même que ces derniers jours ont été. Ont été compliqués. Donc, je t'avoue que c'est d'autant plus dur ce soir. 3, comme ça je suis à peu près au centre. 3, 3. Voilà. Je vois pas de quoi tu parles. C'est vrai? De quoi je parle? Bah allez, bon courage à toi aussi. Alors, j'enlève ça, tout object, yes. Et je vais pas mettre qu'une seule vis, je vais en mettre deux pour pouvoir le recentrer. Voilà, un. Oh, oh, allez, je le mets, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. De pain. Et je pourrais après. Ah non, c'est des components. Alors attends, tu me dis. Composante et tu me laisses sélectionner des. Ça n'a aucun sens ce que tu fais là. Ah non, feature, excuse-moi. Oh. Axis, voilà, et là, voilà, je vais dégager celui-là. Très bien. Comme d'hab, petit chinfrin. Voilà. Et c'est très bien.
Très bien, je mets la vis. Est-ce que c'est pas un peu bas 3 mm? Pour ceux qui n'ont pas la ref, on a passé une bonne partie du week-end à travailler sur le règlement de la prochaine édition. Oui, voilà. Je savais pas s'il fallait qu'on le dise ou pas. Mais effectivement, on a passé. Bah là, avec Alex Kamikaze et puis d'autres aussi du comité, on est beaucoup là cette année à travailler sur ça. Et à travailler à distance, et à faire des protos. Et c'était très bien, très intéressant, très intense aussi. Et du coup, en fin de semaine, comme ça, assez fatigant aussi. Mais néanmoins, super cool. Coupe 2022, oh là là là, bah on sait pas en fait, c'est toujours pareil. Ben nous, je l'ai déjà dit, hein, mais sur la commission règlement, on n'en sait pas tellement plus que vous. Peut-être que ce soit 2022. Là, la dernière communication de PS, c'était de dire que ben, il y aurait, semble-t-il, deux mêmes coupes 2021, 2020-2021, ce serait le même sujet. Mais peut-être pas. Du coup, c'est voilà, c'est un peu le flou. C'est un peu le flou. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé par PS sur le Discord et autres. Et bon, on verra, hein. On verra. Tiens, je vais l'oublier sinon. Alors, ça c'est bon. Je vous avoue que là, ça fait combien? Ça fait 2 heures de stream. J'ai l'impression que ça fait 5 heures. Tellement je suis fatigué. On va ouvrir les supports moteurs. Yes. Du coup, ouais, je me souviens, on avait dit dans le sens de Y, comme ça. Alors, on va plutôt le mettre dans l'autre sens. Moins Y. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes ouvertures avec ma visserie là pour pouvoir fixer le slip ring. Si je mets mon moteur de ce côté-là, j'aurais pas accès. Donc, dans ce sens-là. Alors. On va dégager ça, ça, ça. Si. Ah! Voilà. Alors je recommence, c'est bon ça. Ok. Alors maintenant, on va pas faire le con. Attends, rien. Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais là? Absolument pas! Absolument pas. Point. Alors, c'est quoi l'écartement que je dois avoir de mémoire? C'est 30 quelque chose, c'est 36. Ok. 36. Bon, je vais le faire comme je l'ai en tête là. Ça doit pas être complètement débile. Pas complètement. Alors. Ah oui, on a 29. À la vache. Waouh. C'est pas. Ok. Bon, mettons 36 alors. D'accord. J'ai l'aimant qui passe là. Bon, alors revirement de bord. Parce que là, en fait, j'ai l'aimant qui va être très proche. Et si jamais je fais un surbord comme ce que j'ai fait là, ça veut dire que enfin, mon aimant il va être là, quoi. Il va être quelque part dans cette position-là. Il va falloir que je mette une carte électronique là pour pouvoir lire, hein, avec un capteur. Du coup, je me dis que la solution, c'est pas de mettre toute ma carte là, mais juste la carte capteur, et de venir la fixer sur l'élément en surbord que je suis en train de faire. Sauf que si je mets un élément trop gros en surbord, cette pièce-là, elle va être gigantesque. Donc, mon idée. Ici, c'est de mettre une contrainte d'égalité entre ces deux pièces-là, de garder 36 parce que ça c'est bon, et d'augmenter cette dimension-là pour comprendre l'élément dedans.
Voilà. 48, oui, 50. 50. Oui, allez, 50. Voilà. Et du coup, de mettre ma carte électronique ici. Voilà, de faire une carte en... Hey. Non, quart de quart ou tiers ou morceau de donut là. et de le visser dessus. Yes, on va faire ça. On va faire ça, ça me semble très bien. Bon, ça m'énerve à chaque fois que j'ouvre le pignon. Donc on va l'enlever. Et je vais peut-être remesurer la distance que j'avais là, puisque tant qu'à faire, j'ai fait le proto. On va s'en servir. De là au centre, j'ai 35. Ok. Donc c'est jusqu'au centre du pignon, j'ai 35. Et de là au centre, il y a combien? Là à là. Voilà. Maximum, minimum, 35 plus 14. Ok. Donc, je dois avoir 5 plus 14. Voilà. Oh, ça c'est vraiment tout petit du coup. Je me suis pas planté, hein. Non, c'est ça. Ok, alors on va se mettre un peu de marge, on va mettre 30, non, 50, mais d'accord. Alors, si vous vous souvenez bien, je vais tracer quelque chose là, et vous allez comprendre un autre truc, pareil, que je n'ai pas expliqué, mais j'attendais d'être à ce niveau-là pour vous l'expliquer. En gros, vous voyez, mon système, il fait 50 du centre de rotation au bord du moteur. Aujourd'hui, on a le droit à des balises de 10 par 10. Et vous allez me dire, bah, 50 de là à là, je peux mettre 50 de l'autre côté, de là à là. C'est vrai. Mais mon idée, c'est de ne pas faire ça, justement. L'idée, très basique, ce serait de dire, je vais prendre l'outil rectangle, je vais mettre en construction, voilà. C'est de dire, voilà, j'ai un truc de 10 par 10. Ça, c'est l'encombrement maximum de ma balise. Sauf que comme je suis bloqué là, je vais être emmerdé à faire des... essayer de centrer ça et tout ça, ça va être l'enfer. Donc du coup, mon idée, c'est de... Voilà, carré, carré, rectangle, rectangle. C'est plutôt de dire... Voilà, j'ai un carré de 10 par 10, mais je vais l'excentrer. Voilà. Faire un truc dans ce genre-là. Donc ma balise, elle sera plus sur l'avant, du coup, pour la base, voilà. Et le top, lui, sera de 80. Donc il sera un peu plus petit, en fait, juste pour être au-dessus du système tournant. Donc je vais avoir une balise avec une forme un peu particulière, mais je me laisse cette liberté-là. Parce que je peux pas véritablement faire autrement, sauf à être très emmerdé. Bon, là on n'en est pas encore là, mais vous avez l'idée. Donc si je reviens là-dessus, 50 par 36, on est pas mal. Et est-ce que je me tâterais bien à faire les trous oblongs aussi en même temps. Trous oblongs qui ont quelles caractéristiques? 12, 5, ok. Et le rayon 3,5. D'accord. 12,5, 3,5. Voilà, et on va faire. Yes. Douze cinq. Ah oui, non, c'est le rayon, mais moi c'est le diamètre. Et je me fais avoir à chaque fois. Fais avoir à chaque fois. Tac. Là, j'ai combien? 22,5. Ok. Hop. Impeccable. Et
Il va falloir un positionnement. Là, entre là et puis, puis ça, quoi. Combien j'ai? 28. Allez, on prend. Là, là, 28. Parfait. Reste plus qu'à faire une symétrie du coco. Voilà, et là, j'ai la base. Voilà, qui sera la même pièce que celle-ci. Forcément, là, j'ai un truc qui est plus grand, mais parce que j'ai ma carte électronique qui va venir ici, quoi. Deux, trois, allez, trois. Non, dommage. Ah, il veut pas se joindre à... Ah oui, c'est logique. Voilà. Et maintenant, je peux enfin fixer mon moteur. En théorie. Yes, je vais le sortir. Voilà. J'aurais pas oublié quelque chose là. Bah oui. L'ouverture. Bah là, du coup, il faut que je le centre avec ce système-là. J'ai pas le choix. Hop. Enfin, j'ai pas le choix. Si, j'ai le choix, mais c'est ce qui est le plus logique. Oh! C'est mignon, mais c'est pas ce que je veux faire. Voilà. Voilà, alors là on est pas mal. Ça commence à avancer. Donc j'ai une vis là, du coup c'est ici qu'il faut que je fasse, faut que je mette ma carte électronique centrée avec ce trou là. Alors comment on va intégrer ça? Réfléchissons. Peut-être déjà un son. Alors non, c'est sur Y. Voilà. Ah oui. Forcément. Bon, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la carte électronique. Alors, quelle solution? Qu'est-ce que je fais en premier? Comment est-ce que je vais? C'est pour moi là. C'est pour moi là. Comment est-ce que je vais faire ça? Je pourrais peut-être créer la carte là vite fait.
avec juste le capteur parce que je l'ai déjà. Enfin, la recréer. Importer ça et regarder ce que ça donne. Allez, on va essayer ça. On va lancer Eagle. Je sais pas comment j'arrive à me dire à minuit 20 après ma semaine à me dire bon, allez, je vais lancer Eagle, faire une petite carte. Alors j'ai dû foutre ça dans 2020. Où est-ce que j'ai dû mettre ça? Électronique. Ah, capteur Hall. Yes. C'est celle-là. Oh, j'ai même mis un petit condensateur. Magnifique. Est-ce que je peux la dupliquer? Copie. Bah ici. Overwrite. Ah bah non. Copie. Je peux pas changer son nom. C'est complètement con. Bon. Temp. Ouais, là si je mets temp, il va me mettre dedans et puis ce sera bien. Voilà. Ok. Et là. Rename. V2. Voilà. Et ça, je delete. Très bizarre ça de pouvoir pas copier et changer le. Bon. Tant pis, très étrange. Je salue la motivation. Pourquoi ça a réouvert cette carte-là? Capteur Hall 2. Ben non, mais c'est celle-là qui va réouvrir. What? Ok, très bien. Parfait. Alors, capteur Hall V2. On va éditer la source. On va défoncer le lien Eagle. On va cancel. Et on va fermer. Voilà. Là, la prochaine fois, il va me dire, hey, est-ce que tu veux créer? Je vais dire, ouais, créer un nouveau design fusion. Boum. Dire, ok. Bon, là, j'en ai la blinde. Donc, alors, où est-ce que je vais foutre ça, moi? Les caribous 2020. Électronique. PCB. Voilà. Ok. Alors, là, il y a la 1206. C'est le SOT. Bon, je m'en fous. Ça, je pourrais les faire plus tard en 3D. Ok. On push. Et on va pouvoir éditer le design dans Fusion et faire un truc pas trop mal. On va essayer. On espère. Yes. Voilà. Donc maintenant, si on retourne dans Fusion. Alors, 2020, électronique, PCB, j'ai cliqué trop vite. Adaptateur sensor, c'est lequel? C'est celui-là. Ouais, ça, on va l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Ok, donc ça, c'est bien, mais ça, c'était bien avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre le design de la carte. On va éditer le profil. Profil qui ressemble à ça. Et on va lui faire un profil qui nous arrange un peu plus. Donc mon idée, con, mais ce serait de faire une carte arrondie. Voilà. Qui épouse cette forme-là. Qui vienne se visser à deux endroits. Alors, est-ce que je la visse à deux endroits ou est-ce que je la visse à un seul endroit? Non, visser à un seul endroit. Voilà, c'est à rien, là, il peut pas y avoir de. Bon, à un ou deux endroits. Le gars, il sait pas. Ah! À un ou deux endroits. Deux extrémités en arc de cercle. Parfait. Prenons les dimensions. Donc là, on a un diamètre de 20. Et là, on a un diamètre de 50. Très bien. Donc, on reprend ça. On fait.
Ah. Créate. Voilà. Et diamètre de 20. Diamètre de 50. Oh la vache, ça fait une carte de 3 cm juste pour faire un. Attends, 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 attends. Non. Non, attendez, qu'est-ce que je dis? Est-ce que t'es trop fatigué, Adrien? Oui, t'es carrément trop fatigué, Adrien. 15 mm. Voilà. Plus logique. Donc, voilà. Voilà, très bien. Encore une fois, le truc à la con, là. Parfait. Et on va définir ça plus tard. On recrée un cercle de construction. Ah bah ben non, c'était bon. De construction. Alors 20, non, on va mettre un peu plus pour éviter que ça tape dedans. 21. Et pareil, un peu moins ici. Voilà. Alors le souci, c'est que là. Que je suis capable de mettre un point au centre. Oh oui, trop bien. Parfait. Et maintenant, de venir mettre les trous de fixation ici à 3,1 mm. Là, je peux être un peu plus serré parce que c'est pas moi qui fais les perçages, c'est au niveau du PCB. Et ici. Voilà, laisser une petite marge de 1. Là, par contre, c'est un peu con, je vais faire une symétrie. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà, symétrisation. Clic, clic. Parfait. Donc ça, c'est ma carte. Elle est pas belle, ma carte? Très belle. Bon, maintenant, il faut que je définisse la taille. Je vais la définir par rapport à ce truc-là. 28. Grand. Salut, S-Shelf. De toute Bretagne, c'est juste un quart de cercle. Par contre, ça peut être rigolo. Par contre, deux. Ah, je sais pas, deux vis, ça me semble too much pour ce que je vais faire là. Allez. Vous savez quoi? On enlève ça, on enlève ça. Et ben on enlève ça aussi. Et on va faire un truc trop rigolo. Parce que je me sens d'humeur taquin. Bam! Bam, bam, bam. Voilà. Juste parce que ça me fait marrer. Voilà. 4. Parfait. Salut Neurodio, bonne nuit à toi aussi et merci et bonne semaine. Et bonne semaine. Juste une vis. Un vis de chaque côté. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Si, allez, allez, allez. Clac, clac. Voilà. C'est good. Voilà. Ah non, me dites pas que c'est mort. Faut que je recommence. Je crois que j'ai supprimé la carte. Attendez. 21, 1, 20, 1, 5, 49. Ok, bon, bah super. Alors, en fait, faut que je la supprime. Don't save. Ah, merde! Merde, merde, merde. J'ai été un peu rapide quand j'ai fait supr. Bon, c'est pas grave. On va faire ça vite. Maintenant qu'on sait où on va.
Hop, hop. Clac. Voilà, nickel. Un cercle de construction au centre. Une ligne de construction pour avoir le point milieu. Le point milieu. La concentricité. Clac. Voilà. Oh, je sais plus si j'avais mis 20 ou 22. Je sais plus. Tant pis. Ah, on est en speed. On est en speed. Je sais pas pourquoi. Clac. Voilà. Là, on avait dit 1 divisé par 2. Et là, 1 20. Yes, c'est bon, c'est ça. Une petite symétrie avec une ligne qui n'existe pas parce que j'ai oublié de la créer. Parfait. Donc on recommence. Objet. Miroir. Clac. Finish. Là, il me dit, hey, mais qu'est-ce que c'est que je bordel? Et là, on va lui dire PCB profile. Moi, je veux que ce soit ça, mon PCB profile. Voilà. Bon, bah là, il dit merde. Parce que... c'est pas cohérent, mais c'est pas grave. On revient sur ce PCB là. On va lui créer entre. Ah, je peux pas faire. Ah, dommage. Je vais pas réussir à faire des lignes. Alors, c'est pas grave. Oh, peut-être faire un trim. Si je fais ça. Ok. Ok, juste faire une ligne de construction. Nickel. Et maintenant, est-ce que... Oh oui. Impeccable. Alors ouais, là il y a des contraintes qu'il veut plus faire, mais c'est pas grave. T'embête pas mon coco. Yes. Ça va peut-être être un petit peu compliqué, 2 cm pour tout intégrer, là, je suis en train de me dire. On va peut-être devoir faire plus. Bon, c'est bien, au moins on aurait pu regarder. 30. Oh, ça pète pas tout. Oh, oh, oh. Ah, là, déjà, la carte de base rentre. Donc, ça veut dire que... Pas complètement foutu. Finish PCB. Voilà. On la sauvegarde. On vient la fermer. Dans Eagle, il va nous faire... Pour l'instant, ça marche pas. Ah, voilà. On le prend depuis Fusion. On va juste repositionner les composants vite fait pour voir à peu près ce que ça donne. C'est un peu long là. Très long. Très très long. Ah, on mange. Je... Ouh. Ouh. Ouh, ça c'est pas bon ça. Bizarre, il me l'a bien généré quand même. Oh, j'ai déjà fait des trucs plus chelous que ça. Finish. C'est bon ça. Ah ouais. Ok. Finish. Sauvegarder. On va réessayer. Peut-être pas bien pris le contour. J'ai fait une carte cet après-midi, j'ai eu le même problème.
Alors, soit j'ai un compteur ouvert. Mouais. C'est étrange. En même temps, je lui ai vraiment fait une forme à la con, ça, cette carte. Tac, tac. C'est pas ton trou qui l'a replacé aux fraises. Bah si, j'ai l'impression que c'est ça. Ah, après, je peux le supprimer d'ici, hein. Voilà. Ça, au moins, c'est fait. Après, je peux prendre tout ça. Hop, je le lock et on en parle plus. C'est marrant parce que le trou, je l'avais fait dans Fusion. Je sais pas pourquoi il me l'a replacé là. Il n'y avait pas de raison. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? J'avais vraiment fait cette carte à l'arrache. C'est bon là? Bon, c'est bon. Dans ce sens-là, yes. Décidément. Ah si, j'avais dû router en millimètres parce que c'était fraisé. C'est pour ça que j'ai des trucs un peu à la con. Voilà. Voilà. Alors. Revenons sur Fusion. Juste regarder à peu près. Alors. Le capteur, faut plutôt que je le mette vers l'arrière. En fait, c'est le capteur qu'il faut d'abord que je positionne et après. Positionnerai le reste. A priori, je dois être sur quelque chose dans ce genre-là. Après, ce connecteur-là, ça peut être juste des fils. Hein. Et je pense que ça sera juste des fils. Bon, il me fait chier. Je le mets là. Voilà, c'est pas grave. Ce que j'ai besoin, c'est de positionner mon capteur. Donc on va l'envoyer à Fusion. Après cette histoire d'envoyer et de faire le... Enfin, de pouvoir avoir un lien avec Fusion, c'est vachement bien. Mais ils avaient mis un pansement parce que du coup, voilà, on est obligé de passer par leur serveur et c'est long. C'est pour ça que l'intégration dans Fusion est intéressante, mais tant qu'elle est buggée... Remarquez, ça fait quelques mois que je ne l'ai pas essayé. Donc si ça se trouve, elle est... tellement bugué. Yes. Donc là, si on regarde la carte, à quelle gueule elle a. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc cette carte-là, on va la l'insérer dans... Ah non, non, non! Voilà. Nickel. Oh. Pas nickel. C'est bien. Toute ma balise, elle est retournée. Enfin non, c'est pas marrant du tout, en fait. Mais... Voilà, donc l'idée, c'est de la mettre ici, cette carte. Dommage. Dans l'autre sens. Voilà, et d'être quelque chose comme ça. Voilà, bon bah là, forcément, j'ai ça qui gêne. Mais sinon, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas mal du tout même. C'est pas mal du tout même.
Ok. Bon, bah écoutez, ça a l'air d'être bien, je trouve. Je vais vérifier à côté parce que j'avais des drops de frame, mais a priori c'est bon. Salut Matmaker, bonsoir, sacré travail que vous faites là. Bah, je te remercie, je te remercie. Je galère un peu ce soir, enfin, physiquement. Un peu fatigué, mais ça va, je suis plutôt content, ça se passe pas trop mal. On a eu un petit début de soirée où j'ai un peu. Mon idée n'a pas marché, donc je suis revenu en arrière, mais sinon ça va. La case de 8, je suis jaloux de tes skills fusion, je te remercie. Écoute, si tu as des questions et tout, n'hésite pas, hein, surtout pas. Ouais, en fait, à force de faire des projets dessus, il y a des choses auxquelles on pense, mais il y a des fois des trucs sur lesquels je bug longtemps. Heureusement que Julien est dans le chat. Des fois, souvent, il me débloque de trucs très très bêtes où je sais pas, mon cerveau ne l'effectue pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, actuellement, en fait, donc moi, je fais partie d'une. Merci Rosalinde, ça c'est pour la suite. Je participe à la Coupe de France de robotique et à la Maker Fight. La Coupe de France de robotique, donc c'est une compétition de robots autonomes. Voilà, il y a un lien en dessous. Il y a deux robots qui sont là derrière moi, donc c'est nos deux robots de la coupe. Voilà, des petits robots, ça. Donc c'est des robots autonomes qui doivent effectuer des actions sur le terrain pour gagner des points. Il y a des adversaires en face. Le robot doit les éviter de manière automatique. Merci Vivier Etlier 54. Et pour les éviter de manière automatique, eh ben, il y a plusieurs techniques que des équipes utilisent. Et nous, ce qu'on utilise chez les Caribous, donc les Caribous c'est mon équipe, c'est. Alors. C'est des mat balises. Voilà, truc comme ça. Voilà, avec des capteurs qui tournent et qui viennent repérer des balises réfléchissantes. Donc les balises réfléchissantes sont posées sur l'adversaire et nous on les repère. Et là, ce que je fais, ça fait partie de plusieurs lives que j'ai fait, bon, un peu entrecoupés, qui est une balise qui fait plus aller-retour pour regarder, mais qui fait des rotations continues. Et qui vient en fait regarder toutes les balises réfléchissantes qu'elle voit, nous dire à quelle distance elles sont et à quel angle elles sont. Et donc là, c'est ce que je suis en train de modéliser et de fabriquer, enfin de fabriquer, peut-être pas ce soir, mais en tout cas de commencer à prototyper, parce qu'on a imprimé en 3D quelques pièces tout à l'heure là pour faire des essais. Donc voilà, donc ça c'est ce que je fais ce soir. Et puis l'autre truc, la Maker Fight. C'est des combats de robots. La Maker Fight, c'est des robots de 20 kilos. Donc notre équipe, elle participe aussi à cette compétition. Donc si tu revois mes lives sur YouTube, les lives de début d'année, à partir de septembre, c'était beaucoup beaucoup de Maker Fight. Et après, j'ai bougé un peu sur la Coupe de France de robotique. C'est dû aux dates en fait. La Maker Fight tombe avant la coupe. Donc voilà. Donc il y a tout, il y a une quarantaine de lives sur tout ça, si ça vous intéresse. Il y a un peu de contenu. Voilà. Et donc du coup, ce soir, c'est un peu. J'en suis à la version. Alors, c'est la version 2.2. Celle-là, c'est la précédente version et on est en train de la synthétiser un petit peu pour avoir quelque chose de plus compact. Parce que là, c'était vraiment trop gros, quoi. Sympa, ça fait rêver. Bah écoute, ouais, c'est pas mal de travail, mais en fait, quand ça fonctionne, c'est vraiment cool, quoi. T'es content. Enfin, moi, je trouve ça cool. On fait pas partie des équipes qui font les trucs les plus dingues en réalisation et en fabrication. Il y a des équipes qui sont complètement, enfin, vraiment sur la partie technique bien meilleures et qui font des trucs vraiment foufous. Mais nous, notre credo, c'est de faire des trucs simples qui fonctionnent bien et qui puissent être repris par d'autres équipes. Voilà, c'est un peu l'idée. Voilà, et donc du coup, si ça t'intéresse, si ça vous intéresse même, tout en dessous, là, il y a un petit truc qui s'appelle Friends, avec tous les liens vers d'autres streamers.
qui stream aussi sur la Coupe de France de robotique. Donc, faut pas hésiter. Il y a des gars qui sont sur. Bah, la majorité maintenant est sur Twitch. Il n'y a plus que CVRA qui est encore sur YouTube. Mais il y a des streams toute la semaine. Donc, par exemple, demain, c'est King of Souf qui stream. Je sais pas sur quoi il stream. Par contre, je vais pas demander. Si t'es dans le. T'es encore dans le chat, King? T'es peut-être parti te coucher. Non, tu n'es plus dans le chat. Mais si jamais, voilà, vous voulez aller voir ce qui se fait à côté, il y a Alex Ness qui est dans le chat encore, qui stream aussi sur la coupe. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre également. Bon, alors du coup, cette carte électronique qu'on est venu passer là. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de regarder un petit peu le positionnement du capteur. Alors, on va dégager la poulie, le top support, les OPB. Voilà, on va se mettre vue du dessus. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah oui. Voilà, j'ai eu très peur. Voilà. Il va partir dormir déjà, mais il fait des. Oui, il fait beaucoup d'élecs. Il a fait beaucoup de revues de cartes élecs, King of Fouf, ces dernières semaines. Donc là, l'idée, c'est de bouger le capteur pour qu'il soit en face de l'aimant. Donc le petit capteur là qui n'est pas modélisé en 3D. Je vous avouerai que je ne vais pas le faire ce soir. Et donc, du coup, la poulie, où est-elle, où est-elle, où est-elle? Celle est verte. Oh, j'étais pas trop mal. Donc, je vais regarder à quelle distance je suis du centre. Si il veut bien me le prendre. Ah, yes. 22. Non. 17,45. Waouh. 17,45. Alors là, on va réouvrir ma carte électronique. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'a priori. Oh, tu as pas mal de package standard. Ah ouais, mais. Bah ouais, du coup, je pourrais le faire. En plus, c'est un package standard. En fait, Eagle peut générer des paquets standards directement en 3D. Donc, faut juste lui donner ce que c'est et puis il le génère. C'est juste qu'en fait, il faut que j'aille dans la librairie, que je chope le truc, que je supprime le modèle, que j'importe le modèle, que je recrée une nouvelle version, que je remette à jour ma carte, que je la repousse sous fusion. Bref. Il est là, ça me suffit bien. Et pour la dernière version de la carte, je le ferai. Parce que de toute façon, le condensateur, c'est pareil. Je sais pas pourquoi, j'ai pas de 3D. Donc, voilà. Et ça, normalement. Alors, si je fais un move. C'est plutôt de la flemme, là, pour le coup. Alors, en théorie, pourquoi je peux pas le bouger? Peux pas bouger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Faire changer le composant sur fusion direct comme ça je t'aurais donné une astuce. Change component. Ah oui. Alors, il faut que je me reconcentre. Oh, je sens que je vais le bouger directement dans Eagle. Ce sera très bien. Que là, le centre, il est là. Ah, oh, bah très bien. Oh, bah parfait, 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 on va pas se faire chier. On va le prendre et on va le mettre directement sur millimètre. Oh, encore mieux, encore mieux. Alors, hop, on le centre, moins 17,45. Alors par contre, un peu plus parce que. Bon, 18,5. Voilà, parfait. Nickel. D'où l'importance de mettre le point d'origine au bon endroit, judicieusement choisi. Parce que si je l'avais mis à un endroit à la con, genre en bord de carte, j'aurais galéré à positionner mon composant. Là, je sais qu'il est au centre, je prends ma dimension, ça va très vite. C'est quand même autre chose. Voilà.
Et du coup maintenant, bon, ça y est. Là, je peux le... Vraiment, j'enlève des musiques que j'aime pas dans cette playlist. Hop, voilà, et là, je suis bien. Là, c'est bien, là. Le composant, il est bien. Pas parfaitement centré, mais c'est pas grave. Pour demain, ton café. Using library... Ah. Ouais, ça va, t'inquiète. Je sais faire, c'est juste que c'était surtout que j'avais pas forcément envie de le faire. Attends, library pour un yo, c'est quoi que tu m'as envoyé? C'est le truc de... Oui, c'est ça, ouais. Bah, en fait... Regarde, je te montre, quand même. Si je vais dans Eagle, en fait, et que je vais dans ma librairie, il y a... où est-ce que je l'ai foutu? Je vais dans OpenBot... Ah mais là j'ai tous mes trucs qui sont propres dans celui-là. Mais grosso modo, maintenant dans les 3D packages, ce que tu peux faire, tiens regarde, si je fais, je vais l'ouvrir, annuler, que je regarde un 3D package, ah bah nickel, parfait, celui-là il n'y a rien, tu vois, tu l'ouvres maintenant, tu peux l'ouvrir directement depuis Eagle. Et t'as le paquet de générateur qui s'ouvre. Et du coup, là, par exemple, bon, c'est un paquet, je sais pas exactement ce que c'est. Mais mettons que je le sais, je fais generate. Voilà. Et je vais chercher le type de paquet que c'est. Boum. Mettons que ce soit un DIP, mais. Pas un PLC, mais. Allez, un QFP. Voilà. Hop, je mets ses dimensions. Poète, 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 poète. Je le mets et il va se générer. Et du coup. C'est quand même plutôt cool. Il y a deux solutions, c'est soit faire ça, soit faire add et mettre un truc que tu as généré toi, donc ça c'est des modèles à moi, soit directement uploader un step, soit chercher dans les modèles publics avec la valeur du modèle. Et de plus en plus, il y a des gens qui en mettent, et donc du coup ça va super vite. Il y a eu une grosse update il y a quelques mois là-dessus, et en fait maintenant générer un paquet 3D c'est assez simple. C'est juste que c'est simple, mais c'est un peu long quoi. Je le fais généralement quand j'ai fini en fait. Et ça c'est super cool. Et alors t'as toujours la possibilité aussi, mais ça je vous le déconseille quand même, mais c'est possible. Tu peux faire clic droit dessus. Oh d'ailleurs on va le. Ça me fait bien de le penser. Je vais le loquer. Faire clic droit dessus. Et on peut faire edit 3D package. Mais ça va éditer le package 3D de ce composant là. Et je vous le déconseille parce que, sauf si jamais il y a un vrai besoin de modifier le 3D de ce truc là parce que c'est spécifique. Si c'est pas le cas, vaut mieux le changer dans la librairie, c'est plus propre. Mais on peut le faire depuis là. Et en fait, ça ouvre exactement le même truc. Hein. Je fais edit. Voilà, il va regarder un petit peu. Il va regarder s'il n'y a pas une nouvelle valeur, et puis hop, il ouvre le paquet de générateur, et puis c'est parti, quoi. Donc, bon, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Voilà. Bon, alors moi, mon truc, il est bon, là. Si je reviens en 3D, du coup, effectivement, c'est direct propre pour tes prochaines... Bah oui, carrément, ouais. Moi, je l'ai fait une fois, de changer les composants dedans. Et j'ai fait, ah bah non, après c'est trop chiant parce que t'oublies, après tu reviens dessus, tu fais, ah oui merde, faudrait que je le refasse, etc. Enfin, c'est très très relou. Quoi. Un truc auquel il faut que je pense, c'est que ça c'est des... Comment ? C'est des aimants, et il faut pas que je mette des vis en métal. Donc il faut quand même que je regarde la hauteur qui me reste entre ça et ça, pour mes vis plastiques. Parce que je me suis déjà fait avoir. Mes vis plastiques... Si je les trouve. J'ai des écrous. Bah. Ah. Vis inox sinon. Ou vis inox, c'est vrai. C'est vrai que j'ai plein de vis plastiques, donc autant les utiliser. Mais c'est vrai que les vis inox, ça fonctionne bien aussi. Donc là, j'ai un M3. C'est 3 mm de haut. Donc il faut me laisser un peu de marge, 3 mm, j'ai les épaules là. Ouais, j'ai 2,60.
Je suis monté comme ça. Le truc, c'est que, est-ce que si je monte à 8, le... ça détectera encore? Normalement, oui. Je peux être assez loin pour le détecter. Le champ magnétique, il est suffisamment fort avec les aimants que j'ai choisis, mais mériterait quand même de vérifier. Alors là, est-ce que je... Parce que là, j'ai 6, 43. Ça veut dire que je peux pas avoir d'entretoise de cette taille-là. Comme j'ai pas d'entretoise de cette taille-là, je vais faire mes... Je vais directement le faire en... dans la pièce en 3D. Clipper le PCB dans un embase avec un retour, c'est aussi une possibilité. Après, le truc aussi simple, c'est de venir mettre juste un pliant qui sort et puis de chauffer. Et puis j'ai comme un rivet plastique, hein, en fait. Cold shot. Mais un rivet, oui, ou un rivet plastique, c'est très bien. Hein. C'est juste que c'est pas démontable, quoi. Côté écrou, qu'est-ce que ça dit? Je regarde parce que j'ai déjà une carte un peu du même genre ici pour mon proto. Bah, j'étais déjà à 3 en fait de hauteur. Finalement. Si je prends mon proto, que je le remets. Ah. Il faut que je le réassemble à chaque fois. Ouais, j'étais collé. Écoutez, je tenterai demain. Je préfère le visser. Mais je tenterai demain quand même avec une épaisseur plus loin. T'as qu'à faire dans le définitif, tu peux aussi le lever le tout dans l'époxy. Ouais, alors oui. Très juste. Mais bon, quand même. c'est vraiment définitif là. Alors, je vais dégager ça aussi. Voilà. On va faire une belle projection de la carte. Yes. Et on va la dégager. Ouais, ça, j'en ai pas besoin de ça. Une petite idée de design. Hop. 2-5 pour mettre mes inserts. Ah non, 2-5 c'est pour mettre mes inserts. 2-5 c'est pour mettre des vis à plastique. Non, c'est pour mettre des vis à... Ah bah non, marche pas ça. Attendez. Tallez. Ouais, plutôt 4,5. Que c'est marrant, pourquoi il me l'a... Il n'indique pas l'avoir créé. Bon, ok. Soit. 4,5. Ouf. Un 5. Ouais, c'est beau les cartes électroniques coulées dans l'époxy. Hein. Quand j'étais au Fab Academy, il y avait quelques-uns qui en ont fait. Et... C'est quand même bien la classe, hein. Voilà. Donc je vais avoir des
flot, je vais les monter, mettre mes vis dedans. Est-ce que ça suffira pour supporter la carte? Ou est-ce que je fais une forme un peu sympa? Oh, allez, une petite forme un peu sympa. Parce que deux plots comme ça séparés de l'autre, ça me fait bizarre. De 50. Allez. Carte qui repose dessus, bam. Alors. De là à là, j'ai combien? 11,60. Parfait. 11,60 moins 3,5. Ok. Trois plus taille PCB. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Exact. Bien vu. Ouais, pas loin de ce que j'avais vu. Bien vu, bien vu. Ah, je l'ai complètement. Je me souvenais qu'il fallait que je fasse attention à quelque chose, mais je me souvenais plus quoi. On recommence. J'arrive plus à cliquer au bon endroit. C'est que c'est la fin. Allez. Voilà. C'est pas mal comme ça. Hein. Salut, merci à toi, bonne nuit et puis bon courage pour ta semaine également. Alors, cette carte-là maintenant, on va dégager. Merci. Non, c'était ça. Ah oui. Alors on va le faire en slider. Yes. Parfait. Bon là on voit que le connecteur il rentre en contact mais comme j'ai rien fignolé de ce côté-là. Bon. Encore un peu de position. Là c'est bon. Ok. On va reprendre ça. Dégager cette partie-là. Toujours la poulie. On va faire une ouverture. Je pense que
Déjà avec ça, ce sera pas mal. Hop. 6. Non, on va les faire parallèle par rapport à. Bah oui. Si ne sélectionne pas les bons. Voilà. Impeccable. Donc là, on sauvegarde ça. On va retourner sous Eagle. Ça veut dire que peut-être. Peut-être que mon connecteur il passe en fait. Alors là, qu'est-ce que ça dit? Je vais avoir ça qui est là. Ça là, j'ai le capteur ici, j'ai le 5 volts qui arrive de l'autre côté, ça c'est pourri. On a peut-être besoin de retourner un petit peu tout ça. Alors là, on va. J'ai une idée là. Clac. Ça m'a l'air relativement simple à router. Voilà. Le GND. Ah, pourquoi tu veux me faire passer par là? Comme ça. Ici. Ouais. Bon, affiné, quoi. Je peux avoir un GND qui passe en dessous. Ouais, il va passer de l'autre côté. Voilà. Oh mais attendez, je suis bête. Je suis vraiment pas en forme ce soir. On va faire un plan de masse. Beaucoup mieux. Beaucoup beaucoup mieux. Parfait. Ça, on va le supprimer. J'en ai pas besoin ni de ça. Ah, par contre ça, effectivement, il est locké, donc il y a tous les éléments qui sont lockés. Donc on le délock. Pareil pour ça. On le relock. Nickel. Hop. Comme ça, la carte, elle est faite. Tu veux du courage? J'ai eu un peu de courage.
Ça va, c'était pas non plus la carte du siècle, quoi. Nickel. Waouh. Bon, clairement, le connecteur, il passera pas. Hein. Ce connecteur-là, ce sera pas possible. Par contre, des fils, ça. Ouh, il est pas centré ce connecteur en plus. Mais des fils, ça passera. Ce sera très bien. Ça ira très bien. Donc, ça passe en dessous. J'ai les fils du capteur qui passent en dessous. J'ai le moteur qui passe en dessous. Écoutez, c'est pas trop mal. Hein. C'est pas trop mal du tout. Voilà, le slip ring, il est là. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? J'ai un double slip ring, je sais pas pourquoi. Poulie menante, ça c'est bon. Mes capteurs, la poulie, le top support. Pas trop proche de la vis, le condo résistance, truc à gauche de la carte. Truc à gauche de la carte. Non, regarde. T'as le. Si tu vois là. Là, c'est suffisant, là. Cette partie-là. Donc, ça va passer. Surtout que le condo, en plus, il est un tout petit peu plus petit. Après, effectivement, ça mange pas de pain. Je peux même l'aligner avec l'autre à côté. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de souci. À la limite. Effectivement. Et j'ai même envie de dire que cette diode-là, on va la mettre à côté, comme ça on va bien la voir. Parce que là, on la verra pas beaucoup. Ah mince. Ça la diode, on la voit bien. Nickel. Allez, on recommence. Oh, j'ai hâte qu'il corrige les bugs, ça sera plus facile en fusion directe. Alors maintenant, ce truc-là, faut quand même le fixer sur quelque chose. Et puis il faut quand même lui mettre une carte électronique. Qui soit pas juste. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée, mais je pense que ça sera pas pour ce soir, parce que là. Bon, je pense quand même que il y a des trucs à tester là. Il y a pas mal de choses à tester quand même. Déjà, j'ai toutes les impressions à faire. Est-ce que la question c'est est-ce que cette carte-là, je peux la faire moi-même? On va répondre à cette question-là tout de suite. Parce que si je peux la faire. Ça va m'éviter d'avoir à la commander, je pourrais la tester assez rapidement. Non, moi je veux le top. Alors, bon là il me dit non. Si je mets une 1,64, il me dit non non plus. Parce que l'isolation est pas bonne. Oui, effectivement. Effectivement. Alors, ouais, c'est mieux. Ah oui, non, j'ai oublié l'isolation sur le sur play. On va se mettre à 12. Voilà. Nickel. Normalement, 12, ça doit passer. On va la réouvrir.
Pour le faire à la sensei, yes! Exact. Ah ouais? 1,64 000, tu le passes pas en. Ah bah non! Non, 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 faut que je mette beaucoup plus que ça. Ça commence à être des toutes petites thermales. Je pense que je vais pas les faire, les thermales. On recommence. Ah oui, il y avait le bouton pour régénérer. Je suis con, j'aurais dû passer par ça. Bon, tant pis. Ah oui, là, ça passe, là. Hein. Déconne pas. Oui, très bien. Alors là, il me fait pas les thermales. Donc, c'est ça, là, ces trucs-là. Mais je peux lui demander de le faire en cliquant sur Use Detail Tool Everywhere. Et là, il me le fait. Ça va. Combien de temps? 2 minutes. Bon. Moi, je dis que ça peut se faire, ça se tente. Peut le faire sur la bande tam du boulot. Clac, clac, clac. 3 fils. Trop facile. On va faire ça. Clic. Mais j'ai pas la bécane. J'ai pas la bécane. Après, si Bantam veut me sponsoriser et veut répondre à mes mails, moi je veux bien. Hein. Mais là, pour l'instant, je peux pas. J'aimerais bien pouvoir faire mes cartes, la faire. Franchement, c'est ça. Hein. Je voudrais trop vous la montrer un jour. Parce que on pose, on met, on clique, ça le fait vraiment 2 minutes. C'est vraiment pas déconnant. Si la plaque est dessus. Ça va super vite, quoi. La tristitude, mais carrément. Carrément. Ouais, deux. Ouais, ça peut le faire largement. Trop facile. Ok, bon, alors déjà, ça c'est validé. C'est cool. Je peux le repositionner. Ça, je suis sûr d'avoir la dernière version dans Eagle. Mais je vais finir par m'en fabriquer une de bécane pour faire les circuits. Enfin, le problème c'est que ça utilisera pas Bantam, et Bantam pour le coup, vous voyez, c'est hyper simple quoi. On prend, on met. C'est bon. Le truc après ça. Ouais. Donc maintenant que ça c'est fait, je peux tout tester. Il n'y a plus rien qui bloque. Tout est imprimable, tout est fraisable également. J'ai toutes les pièces chez moi. Et la prochaine fois, donc le prochain truc à faire, ça va être de prendre cet élément-là, la plaque là, et de l'améliorer pour pouvoir la fixer sur. En fait, de faire le tour de la balise, quoi. Parce que là, on est toujours sur le cœur de la balise, mais il va falloir après faire le tour de la balise. L'ensemble. Bientôt directement depuis Manufacturing dans Fusion. Oui, on peut rêver. Ouf! Ouais, mais attends, ce serait pas si con que ça. Je veux dire, à partir du moment où tu as l'outil de CAM qui est intégré dans Fusion, qu'eux, ils ont intégré l'électronique design dedans, c'est pas si déconnant, hein. Franchement, ce serait faisable, hein. Ce serait faisable. Enfin, je veux dire, techniquement, il n'y a rien qui. Y a même plutôt tout qui est en train de te dire que c'est possible. Enfin, c'est un export en VXF qui sait faire. Et encore C2D en CNC. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Hein. Pour le coup, il y a vraiment zéro souci pour pouvoir le faire. Hein. Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on va pas aller plus loin là ce soir. C'était déjà vraiment pas mal. Je vais imprimer les pièces demain. J'ai ma voix qui se barre en sucette. Du coup, ça c'est mon corps qui me dit qu'il faut que je m'arrête. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir suivi ce live.
C'était chouette. J'ai validé des trucs, on a avancé. J'ai l'impression de bosser à chaque fois sur le même truc, mais quand même, ça avance, ça avance. Normalement, la semaine prochaine, alors la semaine prochaine, on sera le 28. Oui, la semaine prochaine, ce sera toujours un live le dimanche. Normalement, il n'y aura pas de report. Peut-être qu'entre deux, j'aurai eu des pièces pour la laser, donc ce sera peut-être un live laser. Ou alors, on continuera sur la coupe. Je ne sais pas encore. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur YouTube, bon, sur Facebook aussi, mais c'est vrai que je poste en automatique. Mais en tout cas, pas mal sur Twitter parce que c'est là où vraiment j'envoie les infos. N'hésitez pas à aller voir les vidéos sur YouTube, à laisser des petits trucs. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente nuit. Et puis portez-vous bien. Salut!